cette matinée consacrée à un humanisme spirituel de notre temps, qui est la thématique, et qui est pour ce festival, pour la communication. Allez-y. Voilà, je crois que là, c'est pour complet. Allez-y. Des références communes
pour pouvoir trouver un bon angle et avoir un socle, si je peux dire, une base, si ce n'est de valeur universelle, au moins de valeur commune et reconnue. Et d'ailleurs, certainement tout à l'heure, c'est Brahim Salama qui est ambassadeur et qui est un des directeurs de l'Haut Commissariat aux droits de l'homme, s'est beaucoup penché sur cette question des droits, mais aussi, alors pour ceux qui nous intéressent, maintenant aujourd'hui, de la relation de ces droits avec la question de la spiritualité et des valeurs spirituelles. Et il conduit un programme au Commissariat aux droits de l'homme qui s'intitule Faith for Rights. La foi pour les droits. Et tout cela, c'est simplement pour un petit peu donner une sorte d'assise générale à la discussion qui va être la nôtre ce matin, et qui est celle d'associer des choses qui au départ étaient même opposées. Je ne dis pas la spiritualité, mais dans la religion, pour les valeurs religieuses et l'humanisme. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que plutôt que de les opposer, il faut peut-être plutôt les articuler. Et que même les droits de l'homme tels qu'ils sont compris ont besoin d'une dimension spirituelle. Ils ont besoin d'être alimentés et nourris par une dimension spirituelle. Et que, c'est tout à fait dans l'ordre des choses, peut-être que les religions, en général, ont besoin de mieux prendre en compte, les acquis des droits humains tels qu'ils se sont développés jusqu'à aujourd'hui, hein, dans ce qu'ils ont de plus positif. Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'ordre des choses. Donc c'est un petit peu cela dont il sera question. Chacun prendra la parole pour vraiment un court temps, comme ça on va privilégier l'interaction entre les personnes ici présentes et évidemment également vous-même. Et puis essayer d'aborder cette thématique pour l'importance ce matin par différents aspects et à travers différentes approches. Donc peut-être Rafidi, si tu veux bien prendre la parole pendant un petit moment, oui, pour nous dire ce que tu penses de tout cela. Et qu'est-ce que tout cela t'inspire? Qu'est-ce que cette réflexion t'inspire? Merci Sidi Faouzi, merci à tous. D'abord je m'attendais à tout parce que j'ouvre le bal. Vous êtes patinés, celui sympathique. Je rebondis, j'ai trois petites choses à dire sur cette sempiternelle question de l'humanisme. En fait, de quoi le mot humanisme est-il le nom? Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qui parle dans ce concept extrêmement flou, très profondément disputé à travers l'histoire? Et pour ne reprendre que le terme que tu viens d'évoquer, tu as donné l'exemple de ce qu'on appelle cette notion des droits de l'homme, aujourd'hui même, au XXIe siècle, nous avons au moins quatre paradigmes qui se disputent le leadership, si j'ose dire, du Conseil des droits de l'homme. Nous avons d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui, elle, évidemment, arrive après cette catastrophe que le monde a connue, que l'Europe a été à la fois le terroir, la terre, et puis surtout le fabricant de la destruction des Juifs d'Europe, qui était non seulement une calamité européenne, mais c'est une calamité humaine, il faut la prendre comme telle. Je pense que là aussi, il y a tout un débat. Comment intégrer la mémoire de l'humanité tout en intégrant à la fois ses œuvres et ses malheurs. Et il faut donc la prendre en charge, c'est-à-dire la prendre en compte, non pas pour endosser la responsabilité, mais s'inscrire dans l'histoire collective et commune. Ça, c'est tout un débat dans le monde arabe qui, pour l'instant, nous est quasiment interdit. Je dis bien, il nous est quasiment interdit. Et il va falloir un jour débloquer le compteur. Donc, il y a cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Déclaration française des droits de l'homme, la Déclaration de 1789, qui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, inscrit
Comme article premier, les hommes sont nés libres et égaux en droit. Autrement dit, 1789 va tout simplement provoquer ce que les historiens et les philosophes appellent une rupture épistémologique. À savoir que 1789, vous savez, on a toujours l'habitude de dire 1789, c'est la révolution, c'est la reine à qui on a demandé, mais qu'est-ce qui se passe à Bastille, on lui dit, madame, sire, c'est un vrai problème, les Français ont faim, ils ont faim, ils ont dit, mais écoutez, s'il n'y a plus de pain, donnez-leur la brioche, vous savez, Marie-Antoinette aurait donc répondu, et puis on parle de la révolution française, c'est la Bastille, la libérée, en fait, à la Bastille, on a trouvé qu'un seul prisonnier, autrement dit, on n'est plus dans l'ordre de la symbolique. Plus sérieusement, qu'est-ce que la Révolution française a apporté dans cette aventure humaine et qui constitue jusqu'à aujourd'hui une rupture cardinale? C'est que la Révolution française va instituer définitivement et pour la première fois dans l'histoire la fin du divin comme la production de la loi et l'émergence de l'homme comme seul responsable de ce qui lui arrive. L'homme est le producteur de sa propre loi et que rien ne doit éluder sa responsabilité. Et c'est lui le producteur, c'est lui le consommateur et c'est lui le destructeur. Cette rupture-là, elle est fondamentale, elle est cardinale. Et puis vous avez une troisième conception des droits de l'homme, c'est la conception américaine. La constitution américaine commence par l'homme qui est doté de droits naturels. Alors là, on revient à cette conception rousseauiste de Rousseau sur la question de la nature et la culture. Rousseau va nous donner une clé énorme pour concevoir la notion de la liberté. Peut-être on reviendra là-dessus. L'humanisme, sans la liberté, c'est la littérature. Mais la liberté, non pas comme une légère initiative de faire ce qu'on veut, mais la liberté comme pour endosser cette histoire et s'arracher à sa nature pour aller vers la culture. Et puis une quatrième dimension, qui est aujourd'hui dans le monde musulman, qu'on appelle la déclaration islamique des droits de l'homme. Alors dans cette collection de déclarations, qui est représentatif de quoi? À partir de quel texte cimenté par des valeurs, évidemment, qui appartiennent à des registres différents, comment peut-on produire justement un humain? Et l'humanisme, ce n'est pas l'humanitaire. L'humanisme, ce n'est pas une conception charitable. Non, c'est une construction politique. Et je suis venu ce matin juste pour vous montrer un livre qui, véritablement, pour moi, vient de sortir, qui vont totalement et qui nous donnent les clés justement de cette dispute. C'est un grand anthropologue anglais, Peter Frankopan, Les routes de la soie, l'histoire du cœur du monde. Qu'est-ce qu'il dit dans ces 900 pages? Il nous dit simplement que nous avons vécu une aventure humaine où l'Europe a procédé à ce qu'il appelle le hold-up de la mémoire en faisant de son récit le récit de l'humanité. Or, l'histoire ne s'est pas déroulée en Europe, elle s'est déroulée en Asie et sur les routes de la soie, et il nous explique comment cette aventure humaine s'est construite là-bas, et comment la notion de l'homme et la construction de l'identité humaine s'est construite dans le brasier et dans le creuset de ces rencontres incroyables qu'il nous raconte avec moult détails. Alors l'humanisme, je reviendrai tout à l'heure sur comment la conception européenne de l'humanisme, avec un penseur né en 1463 et mort en 1492, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire la chute de Grenade, il s'appelle Pic de la Mirandole, qui est un Florentin, et qui sera le premier à avoir posé ce qu'on appelle la conception de l'humanisme moderne. Le problème, c'est que l'Europe a tout simplement oublié que cet humanisme moderne, que Pic de la Mirandole, et après lui Descartes, et après lui Rousseau, etc., eh bien, il va se forger dans une pensée grecque, romaine, et surtout arabe. On dira peut-être tout à l'heure un mot sur un des plus grands penseurs malheureusement que les Arabes et les musulmans ils ont oublié, qui est un des fondateurs, El-Miskawi, qui est donc au Xe siècle et qui va produire un traité monumental qui s'appelle Tahdhib al-Akhlaq, le raffinement du caractère, qui est un véritable traité historique, philosophique, culturel, juridique et humaniste de ce que pourrait être l'être musulman, l'être arabe. Et là, on peut faire croiser à la fois le regard de Pic de la Mirandole avec celui des Biscaway, c'est une tâche énorme, mais je pense qu'il est plus que jamais urgent de la commencer. Merci. Il y a juste une petite question qui se pose, donc tout à l'heure, certainement, il y aura une réaction à ce.
terrible attache à la question, à l'approche de la question de l'humanisme. Mais est-ce que par ailleurs, il y a quelque chose peut-être qui manque dans ce rapprochement et qui pose question, c'est la question du droit. Parce que là, c'est la vertu, c'est l'excellence du comportement. C'est en sollicitant un petit peu cette excellence du comportement. C'est presque à l'inverse de l'idée de l'humanisme, c'est une question de devoir, hein, de comportement, de devoir subalterne. Comment il faut se comporter. Alors que l'idée de l'humanisme, elle introduit la question des droits humains et de ce qui est imparti à chacun de pouvoir revendiquer, hein, pour préserver en quelque sorte ses droits les plus fondamentaux. Donc c'est aussi une question, à mon avis, qui pose question. Je vais tout de suite aller vers toi, Céline, juste parce que je pense qu'il peut y avoir peut-être des interactions par rapport à ce qui a été dit, et te laisser donc prendre la parole si tu veux prendre le micro. Merci, Zikoudri. Ça va très bien. Bonjour à vous toutes et tous. Je voulais juste partager l'émotion dans laquelle je parce que ce lieu-là, avec mes congénères de l'attente, venir ici dans les années 75-76, et mais ce lieu qui s'appelait pas encore français, le centre du monde français. Donc vous imaginez que c'est un espace qui m'inspire, qui me remet dans une très belle énergie de partager avec vous. J'ai parlé d'humanisme spirituel au travers de mon métier. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas pro-théorisé, mais je vais vous dire comment, en tant que coach, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la relation d'être, ces notions d'humanisme et des supernaturalités interviennent dans mon quotidien. Je pars de trois postulats pour définir l'humanisme. Et chaque postulat a une conséquence. Premier postulat, tout être humain a de la valeur. Conséquence, aussi important que moi. Et ça transcende les organigrammes de N plus 1, Bac plus 14, je ne sais pas quoi. Dans les organisations, Monsieur X est le supérieur de Madame Y, supérieur hiérarchique. La question est-il humainement son supérieur? Jamais là. Deuxième postulat, l'autre a la capacité d'apprendre. Conséquence, la transmission, le partage est possible. Troisième postulat, tout être humain a la responsabilité de sa destinée. Conséquence, le changement est possible. Donc, nous voilà outillés pour aller creuser dans ce qui est important. Et en fait, au cœur de ce qui est important, qu'est-ce qui est encore plus important, à savoir ce qui est essentiel pour l'être humain. Voilà donc une première couche d'intervention. Une deuxième suivante. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. Et quand je dis travail, c'est général, c'est plus global que les entreprises. Les entreprises, les ONG, les administrations, les clubs, les associations, tout espace où les êtres humains sont en relation. Mais il se passe un phénomène extraordinaire. C'est que le temps mécanique s'accélère à la vitesse grand V, alors que le temps organique est le temps organique, ça peut bouger. Il faut 9 mois pour faire un bébé. 3 jours pour qu'un vaccin inoculé puisse vérifier les choses pareilles. Cette contradiction qui va en s'exacerbant de plus en plus va mettre l'être humain dans son milieu professionnel, social, familial, face à des contradictions terribles. Et là-dessus, bien ça va ajouter, vous savez bien, on est tous au courant, la digitalisation, l'intelligence artificielle, l'homme augmenté et le transhumain, la machine qui est devenue robot devient transhumain. Et nous voyons déjà les prémices où dans une équipe, des hommes et des femmes auront comme collègues des algorithmes.
Et bientôt, ils auront des supérieurs hiérarchiques transhumains. C'est pour après-demain. Si ce n'est pas déjà un tout petit peu le cas. On pourrait aussi faire une couche de... à partir de ce que nous observons dans le monde, on va dire perte de repères, quête de sens. Le monde va mal, mais bon, ça reste assez le hasard. Ce à quoi nous sommes appelés, nous, remet en question, mais qu'est-ce qu'est le propre de l'homme? On a dit, à travers l'histoire, j'ai une réponse. Qu'est-ce qui reste d'essentiel, de spécifiquement, quelle est notre compétence distinctive en tant qu'être humain? En tant qu'être humain. Eh bien, à travers l'histoire, on a dit l'homme, le propre de l'homme, c'est le rire. Nous avons vu, non. Il y a un médecin, je dis qu'il est carré comme pas possible. Et puis l'homme n'est pas capable de réflexion. Ben, les animaux, ils ont une sacrée réflexion. Cette fameuse tortue qui a survécu aux dinosaures, chapeau, carcasse, je dirais. Et puis, dernièrement, l'homme est capable d'émotion. La belle affaire. Vous savez bien que l'un des métiers qui se développe le plus maintenant, c'est psychologue pour chien et chat. Les chiens, les chats, ils ont des émotions. La machine aussi. C'est pas plus compliqué que cela. Vous avez maintenant des robots qui vous disent, madame un tel, monsieur un tel, je perçois de la colère dans ce que vous dites. Ou ce que vous dites me met en colère. Voilà de l'émotionnel artificiel. Et en plus, ils ont un faible avantage par rapport à vous autres. C'est qu'ils ont des programmes pour gérer leurs émotions, ce qui n'est pas le cas chez vous. Alors, qu'est-ce qui reste de fondamental à l'homme? Je vais m'aventurer en disant qu'à l'horizon de 100, 150 ans, allez, après je ne sais pas, il nous reste ce fameux questionnement existentiel. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là, moi qui traverse cette vie qui, selon le Big Bang, nous dit qu'elle a 15 milliards d'années d'existence, mais encore 15 milliards au travers de l'univers, qu'est-ce que je fais sur Terre, moi, qui traverse cette vie entre le 20e et le 21e siècle? À quoi tout cela rime-t-il? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Il me reste à mettre du sens dans ce que je fais. Et comme on sait, quand on parle de sens, ce n'est pas le sens métaphysique. C'est tout simplement quand une personne vient travailler sur une question de relationnel en entreprise, ou sur une cohésion d'équipe, ou sur une stratégie, c'est des questions, entre guillemets, bassement matérielles, mais hautement spirituelles. À savoir qu'aujourd'hui, et de plus en plus, dans le monde de l'entreprise, par exemple, on ne vend plus le quoi. Le contenu. C'est pas si compliqué, vous pouvez fabriquer aussi bien un stylo qu'une fusée, qu'une statue, que des chaussures, etc. C'est banal. On ne vend plus le comment. Là aussi, vous cliquez 3-4 fois, et on vous dit comment monter une cimenterie. On vend de plus en plus, on vend au sens qu'on échange, au sens qu'on partage. De plus en plus, le pourquoi. Les êtres humains, pour aller acquérir des choses, ils vont se poser la question du sens. Les prémices sont déjà là. Toutes les approches du commerce équitable, toutes les approches du bio, toutes les approches de respect de la nature qui est hautement spirituelle. Et donc, la spiritualité agissante, autrement dit la propension à chercher, construire, fabriquer du sens, c'est ce qui reste d'ultime à l'être humain dans l'ère qui se profile autour de nous
et ce ne sont pas, dans mon cadre de travail, je sais bien que c'est l'approche que nous avons ici, de simples élucubrations intellectuelles. C'est quelque chose de terre à terre, de pratique. Quand on accueille l'être humain dans cette logique d'humain, dans cette logique de capacité de produire du sens, là, l'être humain va pouvoir vivre en harmonie avec tout ce que l'on nous annonce comme catastrophe, dans le sens où l'être humain deviendrait moins qu'une machine, puisqu'il y aura des machines plus intelligentes que nous, nous sommes bien d'accord. Et que parmi nous, il y aurait des êtres humains augmentés, autrement dit, auxquels on mettrait des puces dans ces mots qui crèveraient le plafond du quotient intellectuel. Je pense que je vais m'arrêter là, je ne sais pas s'il y aura d'autres choses. Je suis assez passionné et si on ne m'arrête pas, je peux continuer des heures et des heures. Et nous, je vais avoir. Merci. 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 Avec Stéphane Naïm, on a déjà un peu débordé sur un autre sujet qui est programmé sur la question de la spiritualité, les enjeux spirituels et sociétaux face au transhumanisme. Et on voit bien que tout ça, évidemment, se tient beaucoup de façons. Mais je pense que, parce qu'il y a beaucoup de densité dans ce qui a été échangé, on va peut-être tout de suite avoir un échange et puis nous continuerons un petit peu à voyager à travers les exposés, mais avoir tout de suite vos réactions de manière à ce que tout cela ne se dissipe pas trop vite. Je pense qu'on peut avoir peut-être un micro qui circule. S'il vous plaît. Non, il y en a un de sans. Voilà. Oui, madame, je pense qu'il y a une question ici. Voilà, vous avez un micro. Ma question, c'est madame Fatem Sarachati. Ma question, c'est monsieur Maxime Lerouche, c'est ça, il a parlé de supériorité, de hiérarchie. Voilà. Et on parle de supériorité hiérarchique, ça c'est dans l'entreprise. Et quand on est dans la culture soufie, la zaouia est un pilier. Nul ne peut ignorer son importance en tant qu'institution soufie. Qu'en est-il de la relation maître-disciple? Oui, ici. Donc vous notez un petit peu les questions que vous inspirent. Allez, monsieur, c'est ça. Va. Ça va après. Ma question s'adresse à Cédric Moncher. Il n'est pas là. C'est rapide. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas interchangeables. Voilà. Donc, ma question, vous avez parlé des fonds de banque, des droits de l'homme. Et vous avez cité la déclaration des droits de l'homme de la Révolution française et la déclaration universelle. Et en dernier lieu, vous avez parlé de la déclaration des droits de l'homme islamique. En quoi cette déclaration? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau par rapport aux autres déclarations? Et voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Brian. Tu peux nous dire quelque chose à ce sujet, puisque tu as pas mal travaillé sur cette question. Ben justement, dans le même ordre de Cédric Hafizi, est-ce qu'à la lumière de cette multiplicité du référentiel, qu'est-ce qui en reste de l'universalité? Quelle réalité d'universalité, à votre avis? Deuxièmement, a-t-on besoin d'un cadre transversal, un trait d'union, plus profondément universel, en réalité ou pas? Et si oui, comment? Oui, est-ce que c'est quelque chose d'universel? Est-ce qu'on peut, qui traverse toute l'humanité, et c'est peut-être en cela où
cas, ça constitue quelque chose de commun. Est-ce que ça a un sens de parler des droits de l'homme islamique ou chrétien ou bouddhiste ou quoi que ce soit? Est-ce que ça a un sens? Je crois qu'il y a des questions là-bas. Merci. Alors, j'ai été interpellée par les propos de ces Sénéus. Il a parlé de fondamentaux. Et croyez-moi qu'il y en a peut-être un important, que nous sommes d'abord des humains, nous sommes des terriens, nous sommes liés à la terre, et que parmi les fondamentaux, nous devrions revenir aux évidences et à une chose essentielle dont nous avons besoin en tant qu'humains. C'est trop beau d'être hyper intelligent avec des puces et tout ça, mais nous avons d'abord besoin d'air, de terre, de sol, d'eau, et tout ça aujourd'hui est en pleine perturbation, parce que nous avons des différents déficits. Est-ce que ce n'est pas une des raisons, une religion qui devrait nous unir tous aujourd'hui, être notre spiritualité sur terre, à tous, parce que c'est là dont dépend notre survie en tant qu'humain. Merci, Atefa. Je ne te vois pas, mais je te devine que c'est toi. À ta droite. D'accord. Je pense qu'il y a monsieur. Et puis après, donc, j'ai l'occasion de répondre et continuer. Monsieur. Là, juste là. Vous pouvez prendre le micro. Ah, c'est pas. Il n'est pas le micro. Très bien. Plus de prière. C'est bon? Ben, très bien, ben, je vais vous laisser l'occasion de répondre à ce qui a été évoqué. Oui, ben, comme vous voulez. Allez-y. Alors, madame, merci pour cette question de la relation maître public, parce que j'ai envie de vous le dire avec ce que vous dites de la débat qu'on a en train de pendant 7 années à peu près, le temps qu'a pris notre livre commun sur le soufisme et le coaching. En fait, il y a là des questions de... Il y a pas... Oui. C'est un peu mieux maintenant? Oui. S'il vous plaît, vous pouvez à une personne de la technique venir voir pour le haut-parleur qui ne marche pas de ce côté-là. Ne vous entendez pas? Oh, c'est pas ce que je vais vous dire. C'est le micro. On va attendre alors quand même le micro. On va essayer d'arranger ça parce que c'est important. En fait, en 1975, ils n'ont pas de micro. C'est-à-dire que le mental est encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est bon maintenant, madame? Même pas. Micro sans fil, s'il vous plaît. Non, le micro déjà sans fil. Est-ce que ça marche? Oui. Ah, ben ouais. Bien. Ah. Voilà. Si ce n'est pas un homme augmenté, au moins un son augmenté. Voilà. Madame, donc je disais que la relation maître Maurice, coach superviseur du coach, a suscité de très riches échanges avec Sifouzi à l'occasion de notre livre commun. Nous ne sommes pas dans une logique de hiérarchie. Le maître, le chef, n'est pas le supérieur hiérarchique du Maurice. Encore moins le coach. Ça n'a aucune espèce de sens, c'est le cas de le dire. Les enjeux sont tels que l'être humain a toujours eu, depuis qu'il est devenu homo sapiens, besoin de l'autre. Robinson Crusoe est une fiction. Hayy ibn Iqdan dans les fêtes est aussi une fiction. L'être humain est un être d'interaction systémique. Et donc cet accompagnement, ce compagnonnage qui a pris différentes formes à travers l'histoire, à travers les situations, est là pour justement une espèce de co-construction de sens. Le disciple va aller chercher un maître parce qu'il a besoin de faire un bout de chemin avec la relation. Il ne s'installe pas de relation hiérarchique.
Madame, vous me renvoyez à la pyramide des besoins de Maslow. Et vous êtes en train de nous dire, à forte raison, que nous sommes peut-être en train de dégringoler dans la pyramide. Que nous sommes en train de nous priver de nos besoins primaires. Dans cette pyramide des besoins de Maslow, il y a d'abord les besoins primaires, ceux de la survie. Manger, dormir, se nourrir, et puis après on va grimper dans la pyramide pour travailler, appartenir à une communauté, jusqu'à la pointe de la pyramide, se réaliser. Revenir au sens, construire le sens. Peut-être que nous sommes en train de dégringoler dans cette pyramide. Peut-être que les besoins, peut-être, grande partie de l'humanité aujourd'hui qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins primaires. Manger, dormir, se nourrir. Et ça, c'est le fait de l'homme. Et donc, nous avons une double reconstruction à faire. Aussi bien veiller à nos besoins primaires, approche humaniste, écologique, préservation de la nature, anticonsumérisme et tout ce que nous voyons, mais aussi en même temps grimper dans la pyramide, aller vers la réalisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on en a parlé, si vous y avez parlé hier, de l'idéologie, quand la religion devient idéologie, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce besoin, cette quête, qui va être encore une fois happée par l'idéologie du bien-être. L'idéologie du développement personnel. Et non seulement une idéologie, mais un marché à des milliards de dollars et d'euros. Pourquoi pas? Si ça fait le bonheur des uns et des autres, voyez donc, n'oublions pas l'essentiel. Encore une fois, c'est une question existentielle. N'oublions pas. On va parler de ça tout à l'heure, c'est pour ça que nous avons été en retard, juste à côté. Nous fonctionnons en tant que bipèdes, à la manière animale. Et heureusement, autrement dit, nous naissons, nous croissons et nous finissons, nous mûrons. Toute espèce vivante suit ce cycle. Nous allons le suivre sous forme de pilotage automatique. Et tant mieux, on ne peut pas se poser les questions essentielles 24 heures sur 24, c'est trop lourd à porter. Pilotage automatique. Et donc je fais ce que j'ai à faire, je me réveille, je vais travailler, je mange, je me reproduis, je grandis. Sauf que, en tant qu'être humain, de temps en temps, il va se poser à moi une question. Mais qu'est-ce que je fais ici? À quoi ça sert ce pilotage automatique? Et, en échange avec des... Je peux encore prendre une minute? Avec les amis pilotes, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans ce pilotage automatique? Vous savez, l'avion, c'est... Et ils me disent, attention, il y a des périodes dans le vol où on ne parle pas de pilotage automatique. Toute la phase de décollage, de stabilisation de l'avion, on remonte le train, etc. Là, on peut mettre le pilotage automatique. OK. Et puis, quand il y a des zones de turbulence, on se met au commande. Très bien. Et puis, toutes les manœuvres d'atterrissage. Bravo, merci beaucoup. Il me dit, mais attention, quand nous sommes en pilotage automatique, l'un des deux, ça veut toujours qu'il y a un pilote et un copilote, ça comprend l'autre. Sauf, il n'y en a qu'un seul qui a le droit de quitter le cockpit. L'autre, il reste sur place. Waouh. Question. Qui c'est cet autre-là? En ramenant la parabole à l'être humain. Qui chez nous va rester aux commandes quand nous sommes en pilotage automatique? Eh bien, on va l'appeler l'œuf, l'ego, le subconscient, le moi profond, chacun son. Mais il est là, ce phénomène. Il est là, qui veille au grain. Qui veille au grain. Sauf qu'un autre pilote de l'ami me dit, attention aussi, même le système de pilotage automatique peut défaillir, oulala. Vous imaginez? Et je lui dis, mais quand est-ce qu'il peut défaillir ce système de pilotage automatique? Et il me répond, eh bien quand il est mal paramétré. Évident. D'où, c'est type
Le vrai développement personnel, c'est ce Tehdim l'Akhlaq. Merci. 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 C'est faire la différence entre la valeur intrinsèque des personnes, qui est inconditionnelle et qui est universelle en chaque personne. Il y a un hadith qui dit Kuntu kanzan khiyan fa walitu al-arab fa kharzu al-khalqali alifin. N'est-ce pas, j'étais un trésor caché. Nous avons tous en nous ce trésor caché de Dieu dans notre âme. Et ça, ça nous donne une valeur universelle. Finalement, où il n'y a pas de hiérarchie, et où nous sommes tous d'égale dignité. Mais ça n'enlève rien le fait que nous ne sommes pas pour autant de compétences égales dans tous les domaines. Et c'est cela que nous oublions. À partir du moment où nous sommes égaux, nous pensons qu'il n'y a plus de différence, ni dans le savoir, ni dans l'expérience, ni dans la sagesse, ni dans tout cela. Et par le même, parfois, en faisant une sorte de conclusion à ce sujet, nous avons tendance à vouloir balayer toute forme de hiérarchie. Alors que celle-ci n'est pas basée sur une espèce de relation d'esclavage, elle est basée sur des contrats d'œuvres communes. Et donc, en l'occurrence, quand on parle d'œuvres, c'est pour ça que le mot maître spirituel est trompeur. On dit murshidi, c'est bien mieux. Ou bien compagnon, n'est-ce pas? Mais maître laisse supposer qu'il y a une différence d'essence essentielle entre les personnes, ce qui n'est pas le cas. On voit bien ce que dit à l'instant, on est en train de tourner vers quelque chose. On verra si à la fin de la matinée on a un peu avancé. Qu'est-ce qui reste lorsqu'on a tout perdu? Qu'est-ce qui reste lorsqu'on a tout perdu? On est en train de voir que nous sommes en train de déposséder de notre humanité par l'intelligence artificielle qui est bien plus habile que nous, bien plus intelligente. On nous dit que même l'émotion, finalement, quand on croit pouvoir se parer, eh bien, elle pourrait être développée aussi d'un point de vue artificiel et bien d'autres choses encore. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait notre humanité? Ça, c'est une vraie question. Alors, bon, si on a parlé de sens, on a parlé. Bon, mais on ne sait pas encore. Est-ce que l'intelligence artificielle va aussi être productrice de sens? Est-ce que c'est pas elle qui va nous dire, c'est pas elle qui va nous dire, voilà le sens que vous devez trouver, etc. Peut-être que là, il y a quelque chose à trouver. Peut-être conscience, je ne sais pas. Est-ce que l'intelligence artificielle est consciente d'elle-même? La conscience de soi? Peut-être. Ça, c'est une chose à sur laquelle on pourrait réfléchir. Mais peut-être Dou va donner une grosse réponse. Oui, mais je ne voudrais quand même pas utiliser la parole parce que nous avons nos amis qui n'ont pas compris. La parole n'est pas délicatesse et politesse. Je crois que le gardien du temps, on t'en fait pas. Je fais ma modération, tout de suite. Pour une fois, il est modérateur, vous savez. Et ça me convient parfaitement. Pour une fois, je sors de mon rêve modérateur qui est beaucoup utile. Merci Stéphane. Oui, pas de problème. Écoutez, je suis doté d'une capacité naturelle, comme disait Moïse dans les années 70. On n'avait pas besoin de micro. On va essayer de restituer les années 70 précisément sur la déclaration d'être. Parfait. Alors, Stéphane, tu viens de prononcer une phrase. Je vais un petit peu m'inscrire à rebours de cette phrase, non pas moi, mais Jean-Jacques Rousseau. Qui disait, mais qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on a tout à gagner? Parce que tu as parlé de qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on a tout perdu. Rousseau pose la question à l'inverse, dans son fameux petit traité sur les inégalités parmi les hommes, où il nous interroge fondamentalement sur la question qui a été posée par mon ami Marcel Ayouch, et je pense qu'on se la pose comme, je dirais de façon inconsciente, comme M. Jourdan fait de la prose dans la poésie de Molière, sans le savoir. C'est que, qu'est-ce qui fait de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de si perfectionné, de si beau
de si singulier, de si extraordinaire chez l'homme pour que l'on puisse fonder sur lui tout, la philosophie, l'histoire, la théologie, la religion, la morale et la politique. Qu'est-ce qu'il y a de si beau chez l'humain? Eh bien, il y a deux façons qui ne sont pas diamétralement opposées. Évidemment, je reviendrai sur les deux déclarations sur l'ambassadeur. Sous votre contrôle, je parlerai de la déclaration des droits de l'homme. Deux options nous sont offertes par l'histoire. La première, c'est celle que je dirais l'option de réserve. Je reviendrai quand même chez le coup d'âme, comme disait Averroès. Averroès, quand il parlait, quand il se disputait avec Averroès et dans sa fameuse querelle sur comment arriver et comment aboutir à la vérité, il y avait deux options. Ce que j'appelle l'option Averroès et l'option Averroès. Quelle a été la dispute entre eux? À l'époque, ils se sont disputés ardemment, de façon virulente, de manière extraordinairement émotionnelle. Mais aucun de ces deux penseurs n'ont subi la moindre des grimaces de leurs sociétés respectives, tellement nous étions dans un monde où l'islam se pensait librement. Le mot liberté, je reviendrai tout à l'heure sur qu'est-ce que être un musulman libre. Eh bien, Razali nous dit arriver à la vérité, c'est-à-dire à Dieu, à la lumière, ça ne peut se faire qu'à travers ce qu'il appelle l'intuition, le cœur et le sens inné. Autrement dit, la raison, c'est un moyen, mais la finalité, c'est que seul le cœur, le sentiment nous emmène à toucher ce qu'on appelle le mystère. C'est la conception razalienne de l'approche de la vérité. À Averroès, bien sûr, la dispute, elle s'est faite pratiquement à un siècle d'intervalle, car Mohamed Razali est né bien avant. À Averroès, 1126-1198, si je peux pour mémoire, alors que Averroès, d'abord, que lui n'a jamais entrepris la philosophie sous l'angle religieux. Lorsqu'il parlait de Platon, quand il parlait d'Aristote, jamais il n'a parlé d'eux en termes religieux. Il dit Al-Qudama, les anciens, par rapport justement à ceux qui ont tué. Et Averroès nous dit, si le cœur est un élément essentiel dans la construction de l'humain, la raison est seule capable de nous emmener à la vérité. Et c'est cette contradiction qui se loge au cœur de la philosophie. Et je dirais même que la déclaration islamique des droits de l'homme, c'est la victoire de Razali sur Averroès. Je dirais de manière assez grossière que nous sommes dans cette conception qu'a-t-elle apportée par rapport à la déclaration universelle des droits de l'homme. Je rappelle, et là je pars sous contrôle de notre ami ambassadeur, c'est que les États arabes, à partir de 1948, ont tous quasiment adhéré à la déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, exclut totalement l'intervention du divin dans la construction des droits. Or, la déclaration islamique des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle va apporter? Je dirais d'apporter quelques éléments. Elle va apporter ce qu'on peut appeler un supplément d'âme et de morale. Elle n'a rien apporté de plus qui puisse définir ce qu'est l'homme libre. Elle n'a absolument pas apporté une définition de ce qu'est la liberté. Elle n'a absolument apporté, je dirais, de contribution sur quel est le devenir et le destin de l'homme. Je reprends juste cette phrase qui me semble extrêmement intéressante de Rousseau. Parce que l'homme, nous dit-il, n'est rien à la naissance. L'homme peut tout. Il peut tout devenir doté de sa liberté, car il lui revient d'inventer son destin. Je pense que nous sommes à l'intersection de ces deux options. L'option que l'homme est guidé par une force et l'homme est guidé par sa raison. Je pense, comme ça, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Je ne veux pas du tout le cacher, ni cacher la chose. Moi, je suis, persuadé que la liberté, l'arrachement à sa nature, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, et Jean-Jacques Rousseau, l'animal, la question depuis Platon et Aristote, quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Vous savez, il y a des centaines de définitions. Rousseau nous donne la clé d'explication, qui est la clé de toutes les explications de l'univers, de l'homme et de ses rapports avec son milieu. Rousseau nous donne un exemple dans un petit traité de 23 pages. Il dit ceci. Vous voulez qu'on comprenne ce que c'est que la liberté, ce que c'est que l'homme et l'animal? Allons-y. Prenez un oiseau et mettez devant lui un tas de grains. Pour rien au monde, il mourrait de faim. Il ne toucherait pas ce produit. Il prend également un chat. Mettez devant lui un tas de produits qu'il n'a jamais mangé. Il mourrait de faim. Et il ne ferait jamais, et
peut-être, le fait de toucher à ce produit lui sauverait peut-être la vie. Mais non. Pourquoi ? Rousseau nous dit, parce que l'animal, il est, je cite Rousseau, arrimé à sa nature, il est prisonnier de sa nature. Si je pourrais prendre un terme moderne, je dirais, l'animal est enfermé dans son logiciel. L'homme, c'est exactement l'inverse. L'homme est quelqu'un qui est capable de s'arracher à sa nature et d'aller vers la culture, y compris de se retourner vers sa propre culture. Regardez ce que nous sommes en train de fabriquer de cette planète, que l'homme non seulement l'a adoubée, non seulement l'a maîtrisée, non seulement l'a dominée, mais il est en train de la détruire. Et donc le prix de l'émancipation de la pensée et de la rationalité, c'est la liberté. La liberté comme seul substrat humain. Je pense que la question de la liberté est si fondamentale qu'il va falloir quand même la débroussailler, la rendre un peu plus visible et dire en quoi l'humanisme est d'abord et surtout et avant tout l'invention de la liberté. Merci beaucoup à vous. Je te remercie aussi d'avoir évoqué cette question, ce double modèle entre Razali et Averroès, parce que ça revient aujourd'hui. Hein? Oui. Non, Razali. Non, et Averroès. Et Averroès. Non, c'est entre Azéa et Averroès. Et c'est très intéressant parce que ça repose la question qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une certaine façon, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit de toute façon, je vais reprendre la question. C'est que, Razali va articuler déjà entre la raison et le cœur, entre la raison et la spiritualité, ce qui est effectivement plus actuel aujourd'hui. Pour nous, alors que Averroès est le précurseur de, finalement, de l'humanisme tel qu'il s'est développé ensuite. Quand on dit le 14e siècle, Averroès a été l'initiateur de ce type d'humanisme. Et vous savez que lorsque Averroès est rentré dans les universités en Occident, ça a été un scandale total. Parce qu'on voyait bien ce qui se jouait au niveau des idées, c'était la prédominance et de la raison, de la rationalité, qui a ensuite construit l'ordre des droits tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je crois que notre très chère amie est néanmoins directrice artistique de notre festival. Voilà, et je te remercie pour cette belle soirée. Merci de vous voir. Il y a encore d'autres choses à découvrir pendant tout le long de cette semaine. Eh bien, elle a une question à adresser à M. Salama, je crois. Une question à ta question. Comprendre, en tout cas, une sorte de réponse et d'échange à ce propos. Donc, si vous voulez bien. Très bien. Bonjour. Je vais rebondir sur quelques-unes de vos réflexions. Et je vais saluer ici, puisque j'appartiens plutôt à un courant du soufisme asiatique, puisque ma confrérie, la Chishtiya, comme M. Aziz Dabar, et comme Leïla, qui nous fait l'amitié de venir du Pakistan. Et je suis française, franco-suisse, d'origine, et donc j'ai une formation, très européenne, très occidentale, mais ma formation spirituelle était une formation asiatique. Et le soufisme asiatique a d'autres influences que le soufisme, par exemple, du Maghreb. Et parmi ces influences, il y a l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme. Donc il y a vraiment une conception tout à fait différente. Et en tant que pur produit de l'école, je dirais, française, c'est vrai que les notions de liberté sont importantes. Et par rapport à ce que Abdou a dit, il y a tout cet héritage aussi de la philosophie grecque qui est très important, que ce soit en Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée, alors que cette influence-là est vraiment moindre en Asie. C'était par rapport à la question de M. Salama, qui était l'universalité, qu'est-ce qu'il en reste ? Donc on a, grâce à toi,
tu as brossé le portrait historique de l'humanisme et de l'universel. Je t'en remercie de nous avoir replongé dans nos classiques. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure des siècles, eh bien, on s'est un peu enfermé aussi en Europe dans la raison. Et l'enseignement soufi, notamment Mevlevi, a été pour moi le suivant, que si la raison nous guide, c'est quand même le cœur qui nous donne la direction de Dieu. Et à force de s'enfermer dans la raison, dans le aussi quelque chose qu'on cite souvent, je pense donc je suis, et bien ça c'est une façon de penser très occidentale. Parce que en Asie, on ne va pas penser du tout comme ça. Et je vais reprendre un livre, le titre d'un livre de Satish Kumar, qui reprend en fait le « je pense donc je suis », mais qui me dit « mais c'est pas ça, c'est tu es donc je suis ». Et ça rejoint ce que dit mon voisin, M. Ayush, justement sur l'interaction, je cite, « systémique », qui est fondamentale, et que de la notion d'universel, nous nous sommes petit à petit enfermés dans l'universalisme, dans une conception où l'homme est au centre et tout est adapté à ses besoins. Donc, ça répond aussi à la question de madame sur les besoins. Et le dysfonctionnement vient de là, finalement, parce que nous avons oublié notre interdépendance au niveau du cosmos, que nous dépendons tous les uns des autres, de la nature, du cosmos entier. Et les dérèglements actuels viennent du fait justement de cet universel devenu universalisme et de ce fait que tout soit centré autour de l'humain. Et puis le fait de s'enfermer, c'est une dérive dans la raison, même si c'est elle qui nous guide, eh bien c'est qu'on a perdu quelque chose sur lequel moi je travaille pour les créations artistiques. C'est ce que Corbin nommait l'imaginal, mais c'est tout ce monde justement de l'imagination, de l'intuition, de la connaissance intuitive qui, hélas, n'a plus tellement de place maintenant. Si on ne peut pas tout prouver, c'est de l'intuition, c'est presque du maraboutisme ou peu importe le nom ou la tradition, ça n'a pas de valeur. Et ce que vous aviez dit justement sur ces échelles de valeurs, sur le supérieur hiérarchique, sur l'intelligence, il n'y a pas que ces valeurs-là non plus. Et petit à petit, nous perdons confiance dans cette intuition, dans ce qu'on appelle la connaissance intuitive dans le soufisme, et petit à petit on perd tout cet enchantement aussi. Et quand je discute, alors cette année nous n'avons pas le plaisir d'avoir Inès Safi qui est une grande amie et qui est chercheuse au CNRS en physique quantique, elle ou ses collègues, à la base de leur recherche, et puis surtout de leur trouvaille, eh bien c'est souvent l'intuition. Donc c'est peut-être aussi l'échec de ces grandes valeurs, les dérives petit à petit, qui au lieu de nous faire trouver la liberté, nous enferment complètement. Bon, je ne vais peut-être pas intervenir trop longtemps parce que... Bon, c'est M. Carole qui souligne sur le fait que parfois ce qu'on appelle l'universalité n'est pas si universel que cela, et qu'il y a des grammaires, si je peux dire, de valeurs qui existent dans différents lieux, et qui sont différents, et qui peut-être vont apporter quelque chose de plus. Alors c'est ce quelque chose de plus, justement, que serait intéressant d'essayer de mieux saisir. C'est-à-dire, bien sûr, on voit bien le réenchantement, le fait de redonner à l'homme sa dimension spirituelle,
Mais c'est intéressant, on verra un petit peu, c'est pas une réponse immédiate, mais qu'est-ce que cela apporte au droit? C'est ça qui est intéressant. Ouais. Puisque ça, c'est des choses qu'on va puiser dans les sagesses, hein, comme c'est le coup de société. Et qu'est-ce que tout ça va pouvoir apporter à cette conception des droits humains qui est peut-être un peu sèche, qui est desséchée et qui a besoin de retour. Donc, voilà, c'est un petit peu une question. Voilà, c'est un peu mûrir, en tout cas, c'est bien d'avoir évoqué cette approche multiple. Très bien. Alors, si vous voulez bien, comme on le fait souvent, je ne fais pas de traduction simultanée parce que ce genre de sujet, c'est pas si simple à traduire. Parfois les traductions ressemblent un peu à celles de Google, n'est-ce pas? Et on se retrouve avec des choses tout à fait étonnantes dans les oreilles. Donc on va laisser un petit peu comme ça. Je vais demander à Simon Drani qui va faire sa contribution en arabe. Et de toute façon, on va essayer de prendre 5-6 minutes ou 7 minutes. Et moi je traduirai. Oui. Oui. D'accord, très bien. Merci, monsieur Gilbert. Donc, je vais vous faire à nouveau une petite présentation. Abdel Hafidi, qui est professeur à l'université, qui est chercheur, mais qui est aussi la personne qui s'occupe, qui anime l'émission du dimanche matin sur l'islam, hein, de France 2. C'est Mahmoud Rani, qui est professeur à l'université, voilà, et qui travaille au ministère de l'Afrique islamique. Zaïda Benani, qui est professeur à l'université et qui est une spécialiste, entre autres, d'une personnalité très intéressante et qui, je crois, est au cœur de tout ce autour de quoi nous tournons. Depuis pas mal de temps d'ailleurs, même c'est dans cette émission, de personnalité que vous parlez très belle, un philosophe du Pakistan, début du 20e siècle, et qui a une contribution très intéressante pour les sujets, à propos des sujets qui nous interpellent ici. C'est Mohsin Alayouch, qui est beaucoup de choses, mais qui ont entre autres pilote des personnes qui est tout sort automatique. Voilà, on a bien vu à quel point ces paroles sont là pour un petit peu susciter un peu l'intérêt, l'écoute, voilà, tout un accompagnement. C'est un homme de réflexion, c'est un homme fort longtemps, depuis qu'il était tout jeune. Hein. Moi, j'étais un peu son contraire. Et Carole, alors, vous avez l'occasion de la connaître à travers ce qu'elle fait, qui est une personnalité à multiples facettes, qui est une directrice artistique de ce festival. Et comme vous l'avez entendu, qui est aussi une personne engagée dans un travail spirituel, mais aussi dans un travail artistique. Ah, elle organise et conçoit beaucoup de scénographies artistiques, d'œuvres artistiques à travers le monde, et nous sommes très très heureux d'avoir parmi nous. Voilà, merci et j'ai hâte de me rappeler. Alors, je vais demander à Simon de prendre la parole, et puis je vais peut-être d'autres fois résumer très brièvement. On fera la même chose pour l'anglais, hein, puisque nous avons, je pense, Louis qui va prendre la parole en anglais cette prochaine fois. Je connais Jésus, salam alaykoum wa rahmatullah. موضوع الإنسانة الروحية والهيومانيزم سبيريتويل هو موضوع كما قال سيدي عبد الحفيظي موضوع تصار بين الفلاسفة والفاعلين الدينيين من أجل فهمه لأنه يعني مصطلح جديد على العالم الإسلامي و
كما تعرفون عاشت المجتمعات الشرقية عصورا طويلة من يعني الظلام الفكري والوهن الثقافي، لا زالت ربما تعاني منه إلى اليوم، باستثناء يعني مثل هذه الصدمات الفكرية والفلسفية الرائعة التي لم تخ منها ونستفيد منها بفضل دكتور سيدي فوزي الصقلي الذي يتيح لنا مثل هذه الفرص. ومقاربتي لهذا الموضوع ستكون مشابهة لمقاربتي سيدي محسن عيوش، بمعنى أنني سأحاول أن أقارن هذا الموضوع في بعده، بعد المرافقة الروحية، لأنني لاحظت أنه قريب هذا الصباح في علاقته بحقوق الإنسان، وكذلك في علاقته بالمصاحبة الروحية والمرافقة الروحية. وأبتدئ بقولة جميلة لأحد المفكرين الإسلاميين وهو القحطاني من العربية السعودية، حيث يجد بأن العالم الإسلامي يقف مشدوها أمام مصطلحات جديدة كمصطلح الإنسان، فإما أنه يكون رافضا لمثل هذه المصطلحات، أو أنه يمشي وراءها دون تفكير، أو الموقف الصائب هو أنه يقبل المفيد من المفاهيم وفق اعتبارات خصوصية وفكرية وعرفية لمجتمعنا وزماننا. Donc, c'est mon avis qui va aborder cette question-là. Après, un peu au milieu des deux interventions, de façon médiane par rapport aux deux interventions précédentes, à la fois sur la question des droits et sur la question aussi de l'accompagnement spirituel, en insistant sur le fait que les pays orientaux, d'une manière générale, passent depuis quelque temps un passage particulièrement agité, particulièrement compliqué, y compris sur le plan de la pensée, et que donc il y a une espèce de perplexité qui s'est un peu diffusée un peu partout, et que la question des concepts est plus importante que jamais, et en l'occurrence sur la question de, ici d'une auteur qui se pose la question de qu'est-ce que par exemple le mot humanisme peut nous inspirer aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut nous inspirer et comment est-ce que nous pouvons, avec nos propres moyens et nos propres ressources, nous l'approprier et avec quelle utilité ? وابتدئ بتساؤل كبير، هل يتموقع مصطلح الإنسان في الدين كما يتموقع في الفلسفة؟ بمعنى هل تقديس الإنسان له نفس القيمة في الدين كما هو في الفلسفة؟ وقد أردت قولة القحطاني كما قلت لأهميتها فيما أريد أن أقاربه من إبراز لدور المعراج الروحي في علاقتها باكتشاف الكنز المخفي الذي قال عنه سيدي فوزي، في اكتشاف الإنسان لنفسه، لأنه في آخر الرحلة الصوفية كما أورد العطار فريد الدين العطار في كتابه منطق الطير، بأن الإنسان في الأخير يكتشف بأن المقدس كامل في جوانحه. إذن لم تخرج أوروبا من تلك المرحلة الفكرية الظلامية إلى عصور الأنوار إلا بمعراج فكري كما وقع بغاليليو حينما اكتشف كروية الأرض، لأنه عرج بفكره فرأى الظواهر في حالتها وليس كما كانت في مخيلته. فكذلك المعراج الروحي يسمح لنا
بنظرة أخرى للكون غير تلك النظرة التي كانت في مخيلتنا. Est-ce que la notion du sacré est la même lorsqu'on la pose d'un point de vue philosophique et lorsqu'on la pose d'un point de vue religieux? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que la personne humaine est sacrée? Ben, c'est vrai que quand d'un point de vue religieux on dit de quelqu'un qui est sacré, ça commence à poser problème, n'est-ce pas? Ben, c'est qu'on le déifie ou on l'idolâtre de certaine façon. Alors que quand on dit la personne humaine est sacrée, oh non, en fait, d'un point de vue philosophique, on parle d'un point de vue du droit. Hein, ou bien de la dignité humaine. Et donc là, déjà c'est sur le plan sémantique, n'est-ce pas, c'est pas du tout les mêmes compréhensions. On parle parfois avec les mêmes mots, mais pas avec les mêmes références. Et c'est pour ça que les glissements des mots peuvent avoir des sens tout à fait différents dans un contexte et un autre. Ceci dit, ce qui est certain, c'est que ce qui est le plus à considérer comme le plus essentiel, le plus sacré dans la personne humaine, c'est sa dignité intrinsèque et puis ce qu'il est au plus profond de lui-même. Non. C'est cette réalité-là qui a été, par exemple, explorée et présentée dans le récit mystique de Fabien de Lapin, la conférence des oiseaux, hein, comme vous savez, où les oiseaux voyagent à travers différentes vallées pour finalement découvrir que ce qu'il y a de plus sacré, de plus important, se trouve au cœur d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas eux qui sont sacrés en tant que personne, mais c'est cette réalité-là, n'est-ce pas, hein, qui, en quelque sorte, est la chose la plus sacrée en eux-mêmes. Et la question est de savoir, est-ce que dans ce voyage, c'est pas de transcendance, de dépassement de soi, est-ce que c'est pas là où on prend conscience de ce qui nous habite au plus profond et de ce qui en nous est le plus sacré? إذا كان الإسلام هو هذا الجانب الروحي أو إذا كان التصوف هو لب الإسلام فلماذا نجد المسلمين اليوم يهتمون بالقشور أو بالقوانين أكثر من اهتمامهم بروح وفلسفة الدين؟ لقد ثبت عبر التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المدينة الإسلامية المدينة المنورة وأراد أن تكون منفتحة بمعنى أنه بنى l'infrastructure de la ville البنية التحتية للمدينة وترك للمسلمين فرصة الاجتهاد وفرصة التطوير لكن العقل الإسلامي يصطدم دوما بمفهوم البدعة بمعنى أن كل جديد في الدين فهو في النار وهذا الخوف على الدين هو السبب الخفي وراء حالة الجمود الفكري التي عانى منها المسلمون وإلى اليوم. Donc, là, il y a cette situation où Sirani nous dit que le prophète a fondé la cité de Médine, mais l'a fondée de telle façon à laisser un espace de liberté pour que chacun trouve les moyens de se développer et d'aller en quête de cette vérité et de ce sens qui est au cœur de nos préoccupations. Mais qu'il n'y avait pas là quelque chose de figé, mais qu'il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde de l'islam, on est en train de s'intéresser à la pelure et non pas au fond. Pas, on est en train de s'intéresser juste à ce qu'on appelle l'écorce, mais la pelure, et non pas d'aller au fond des choses. Pas, et on est préoccupé par tout ce qui est en rapport avec la forme, les sites, les sites et tout ces choses-là, alors que la question principale est celle de la quête du sens et celle de la capacité aussi créative.
Et que de ce fait-là, à partir du moment où nous avons abandonné cet aspect-là, vivant et créatif et innovant, parce que certaines personnes se sont érigées comme les gardiens du temple, en quelque sorte, et selon la préoccupation, en tout cas le souci apparent ou réel, selon lequel ils sont là pour protéger la religion, en réalité ils l'ont mis dans une sorte de foi et n'ont pas permis aux personnes d'aller chercher cette capacité créative et régénératrice de la pensée. وحتى لا أطيل يعني أختصر المداخلة اختصارا يعني أختم بأن العروج الروحي له أهمية كبرى في اكتشاف الإنسان لنفسه بتنظيف قلبه من الأغيار حتى يستطيع استقبال أنوار المقدس والتي تجعل له تلك القيمة الكبيرة المعنوية لتكريم الإله لهذا الإنسان عن سائر المخلوقات وذلك عبر قدرة لقراءة رموز الكون لأن الدين كله في نظر المتصوف وفي نظر الصوفي هو علاقة إشارات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوق والخالق ولذلك عبر الصوفية عن هذه الحقائق بأشعار جميلة يعني تومن إلى هذا المعنى كقول ابن عربي في كتابه ترجمان الأشواق وهو الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية يقول الكل هو المعشوق والعاشق حجاب فقط والمعشوق حي والعاشق ميت ويقول في موطن آخر يا عين عيني ويا كون كوني الكون كونه والعين عينه. Surtout qu'il faut que je relise la poésie pour me rappeler. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu un lien avec ce que j'ai dit aussi tout à l'heure par Rafidi, mais aussi par différents intervenants, c'est que cette ascension, c'est-à-dire spirituelle dont on parle, c'est ce qui permet d'ouvrir ce que disait aussi Carole à l'instant, d'ouvrir son cœur à une forme de connaissance intuitive. Et quand on dit connaissance intuitive, c'est précis, c'est l'intelligence du cœur. C'est pas l'intelligence du cœur, c'est-à-dire cette capacité à vivre en décryptant un peu ce qui est autour de soi. C'est ça qu'on appelle la contemplation. C'est cette capacité de décrypter. Ce langage divin qui est l'existence. La nature n'est rien d'autre que l'articulation d'un langage divin, ce qu'on appelle des signes ayat. Et ça nourrit une ayat qui a fait la vache qui nous fait impossible, à t'aider à veiller la même chose. Nous rencontrerons nos signes dans les horizons, c'est-à-dire dans la nature, dans l'univers, et ils ont le même jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils perçoivent qu'il s'agit là du réel. Et donc, c'est cette sorte de dialogue permanent qui est peut-être ce qui manque un peu dans la sécheresse purement rationaliste dont on parlait, et qui n'est pas nécessairement en opposition avec cette. Simplement, elle englobe et la dépasse. Et donc, je pense qu'il y a là quelques poésies de Ibn Arabi. Tout le tout, c'est ce qui est désiré, et le désirant est un voile. Il est ce que je suis, et je suis ce qu'il est,
Ô œil de mon œil, ô être de mon être, je suis ce qu'il est, et mon œil est le sien. الكل هو المعشوق والعاشق والحجاب وكان كوني وكنت كونه يا عين عيني يا كون كوني الكون كونه والعين عيني. Je vais compléter avec le soufisme un peu plus asiatique, toujours du XIIIe siècle, parce que j'ai quelques passages qui complètent complètement ce qu'a dit monsieur, au sujet que la chose la plus sacrée est en moi-même, tu as cité Attar, et bien Rumi, dont Attar était un des grands maîtres aussi, a dit « Ô toi, qui est un exemplaire du livre divin, toi, qui est le miroir de la beauté royale. Rien n'existe dans le monde en dehors de toi. Cherche en toi-même ce que tu veux. C'est toi. » Et quant à ce que tu as dit pendant la traduction du discours de monsieur, au sujet du cœur, de cette intelligence du cœur qui nous permet ensuite de tout décrypter, Rumi a dit: quand le miroir de ton cœur deviendra clair et pur, tu contempleras des images en dehors de ce monde d'eau et d'argile. Tu contempleras à la fois l'image et le faiseur d'images. Wow. Qui est peut-être en rapport d'ailleurs aussi avec cette question des droits de l'homme, un peu cette espèce de comment dire, que tout est rattrapable. Voilà, il dit viens, viens, qui que tu sois, viens. Que tu sois un infidèle, un idolâtre ou un païen, viens. Notre couvent n'est pas un lieu de désespoir. Même si 100 fois tu as violé un serment, viens quand même. Alors, maintenant, ça y est. Si tu pouvais vous un petit peu écrire les conseils, puisqu'on a un petit peu. Salam alaikum. Je n'avais pas l'intention d'évoquer l'Iqbal, comme dans toutes les autres éditions, mais l'appel est là. J'avais l'intention de faire allusion rapidement. Le presse, vous devez avoir faim. Alors. Mais il y a des nourritures spirituelles aussi. Alors, c'est une lourde tâche finalement, parce que mes collègues, j'avais prévu de parler de l'humanisme spirituel de notre temps. Et j'avais prévu de parler, d'avoir une approche au niveau conceptuel, du concept, des faits, du processus et des recommandations. Mes collègues ici présents, l'audience aussi a participé à une réflexion au niveau du concept et des concepts. Et je crois savoir que nous sommes tous engagés, directement ou indirectement, et nous avons tous essayé, enfin mes collègues ont essayé d'articuler cette phase de transition qui est à mon avis une phase de transition, de reconceptualisation, redéfinition actuelle de l'humanisme, de la spiritualité et d'un humanisme spirituel si l'on dit. Et je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui a été dit. Heureusement, nous sommes là pour ne pas être d'accord, nous sommes là pour échanger nos points de vue et que cette discussion et ces échanges produisent qu'on aille de l'avant. Donc je ne vais pas
m'aventurer à dire pourquoi je ne suis pas d'accord ni à donner mes arguments, mais je veux juste le dire entre parenthèses. La dichotomie entre l'homme et ou l'humanisme et le spiritualisme dans l'argumentaire de cette édition, professeur Sylvie Strelli l'a déjà annoncé comme quoi que c'est une dichotomie artificielle. Je suis parfaitement de cet avis. L'homme est âme, raison et corps. On ne peut pas dissocier une partie intrinsèque de inhérente à l'homme qui est son esprit. Au niveau du concept, comme Mohamed Iqbal pourrait être, selon moi, considéré comme un philosophe qui a fait l'effort de se plonger dans le patrimoine philosophique, théosophique, soufi musulman, mais aussi de par sa formation en son contexte d'un Indien qui était dans un pays colonisé et qui a eu une formation aussi occidentale et qui a eu une formation en philosophie occidentale par ailleurs. Donc le fait d'avoir été à cheval, de par son vécu et sa formation académique sur deux univers, l'Orient et l'Occident, la culture musulmane, mais la spiritualité indienne, c'est un Indien, il est mort avant la création du Pakistan, même s'il est le père spirituel du Pakistan, bien entendu. Donc, cette unicité, originalité d'un penseur de notre temps, c'est du XXe siècle quand même, que nous parlons, et c'est pour ça que peut-être nous sommes toujours dans le sujet, dans le vif du sujet, cette expérience d'un penseur. Et moi, je vais même m'aventurer à dire qu'il est, selon moi, un soufi, parce que j'ai étudié son langage soufi. Il a posé les questions que nous posons aujourd'hui. Et je suis très contente que Sylvie Strelli, parmi mes autres collègues, ont aussi ouvert un espace dans leur réflexion et dans leur présentation aux questions et à la nécessité de poser des questions, et que nous sommes aussi en questionnement, que nous n'avons pas forcément tout aujourd'hui même trouver toutes les réponses à cette problématique ou à cette thématique. Donc, au niveau de Mohamed Iqbal et de son positionnement, de par son vécu d'être à cheval sur une culture orientale et occidentale, et entre son vécu et, mis à part sa réflexion, mais aussi ses propositions et son évolution au cours de sa carrière et au cours de sa vie politique, parce que c'était aussi un éminent politicien, comment il est arrivé à non seulement jongler avec ses concepts et ses challenges, ses défis, mais aussi à pouvoir articuler et présenter d'une manière systématique, théorique, une pensée qui pose les jalons d'un dialogue entre les cultures, qui pose les jalons exploiter et se nourrir de son patrimoine universel, pas uniquement musulman, pas uniquement indien ou pas uniquement un. Et surtout, il faut être courageux à mon sens, il s'est donné la responsabilité de reconstruire le langage et de reconstruire les concepts. Donc, je pense que nous sommes, mes collègues ont déjà fait allusion à ce défi de trouver le bon, de changer, de trouver un nouveau langage, une nouvelle langue pour parler, pour aussi assimiler comment l'homme aujourd'hui, de par la cyberculture, de par exemple, la présence de des devis électroniques, ces changements qui sont opérés, qui ont un impact direct ou indirect sur notre identité. Donc, au niveau conceptuel, pour Mohamed Iqbal, c'est facile, c'est rapide. En trois mots, il y a la foi, la foi qui unit les êtres humains et qui est la base d'être un humain, d'être un homme. Et cette foi, elle est la base d'un processus, une base solide pour un processus, comme on dit certains de mes collègues, d'ascension, de perfectionnement,
Et c'est un processus qui, selon lui, se passe en trois étapes. Il y a d'abord, pour arriver à l'homme parfait, Mohamed Akbar, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nourri de tout un patrimoine où l'être humain peut être homme parfait. Et je pense que c'est une question me dira l'homme complet, mais Al-Jili, Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, tous les penseurs, enfin les Shuyukh Soufi, ont théorisé d'une manière sublime, exprimé en poésie ce concept de l'homme parfait. C'est-à-dire que c'est une question de traduction. Oui. Parce que c'est le Kamil, c'est l'homme accompli. Kamil, c'est Ksana. Et quand on dit parfait, là, ça pose un problème. Parce que c'est comme si on idolâtre. Exactement. Et je pense qu'il y a une erreur. Oui, ça semble qu'il va l'écrire en anglais, en hindou et en persan, évidemment. Vous avez raison. C'est aujourd'hui un problème. Moi, plus que jamais crucial de langage. Je sais qu'on a traduit le livre d'El-Jili avec El-Jili, les Selkem, oui. Le parfait, et je crois que cette traduction a prévalu. Oui. Titus Burkhardt avec beaucoup d'autres, elle a prévalu, mais je pense qu'elle est fautive. Absolument, c'est pour ça que je veux. Parce que dans le langage académique, c'est ce que vous allez trouver. Donc, c'est comme ça que ça nous donne cette possibilité de remettre en question même le langage utilisé. Parce que là, nous sommes en train d'exploiter ou de travailler ou d'utiliser un langage codifié. Le langage soufi est un langage codifié. Quand on passe au niveau de la traduction, évidemment, il y a perte de sens aux contradictions. Donc, Mohamed Iqbal, sa théorie de l'insan al-kamil, l'homme accompli, passe d'abord par la soumission, tawhid, la négation, c'est la liberté, le concept de la liberté, de la négation de toute soumission au matérialisme, à quoi que ce soit, mais soumission à Dieu. Et on ne peut arriver à cette étape que par la négation, le processus de négation, et l'image, entre autres, qui est un fervent représentant. Donc, la soumission, la maîtrise de soi, et ce n'est pas la peine que je développe parce que je n'ai pas le temps, mais la maîtrise de soi, c'est-à-dire que c'est un travail sur soi, c'est une présence vers soi, c'est une connaissance de soi, et c'est un effort d'équilibre, en fait, entre ses instincts, sa raison et ses besoins spirituels. La troisième étape est la vice-gérance. Khalifatullah fi ardi. Comme quoi l'être humain arrivé à se réaliser peut participer au processus divin dans un niveau de conscience. Donc je répète, la soumission selon Mohamed Iqbal, la maîtrise de soi et le statut de Khalifatullah fi ardi. Évidemment, le modèle est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait sa propre ascension et qui est le modèle pour les êtres humains de faire ce travail sur soi et d'être un membre actif d'une communauté. La contribution de Mohamed, selon moi, si on veut le comparer aux autres, et parce qu'il est, c'est un discours d'actualité, c'est qu'il a énormément insisté sur le processus individuel, mais aussi sur la possibilité et sur la théorie de la communauté al-kamila, la communauté accomplie, pas uniquement l'homme accompli. Donc, Mohamed Iqbal, en tant que penseur, a non seulement donné une théorie, une pensée systématique sur la possibilité de l'être humain de se développer, de se réaliser, mais il a également, parallèlement, énormément insisté dans ses écrits en prose et en poésie sur ce cheminement de la communauté qui peut être solidaire et qui peut progressivement atteindre un statut de communauté accomplie, illuminée par
le contact avec le divin. C'est-à-dire que cette communauté, sur la base d'une spiritualité réalisée, peut aller de l'avant et faire face à tous les défis. Donc le processus, je ne vais pas m'aventurer pour parler de la crise actuelle, mais je vais conclure sur le processus de cette possibilité pour l'être humain de se développer, de se réaliser, et aussi de la communauté pour se réaliser. Je pense que nous sommes tous participants et acteurs d'un processus où nous sommes tous en train non seulement de réfléchir qui sommes-nous aujourd'hui, comment pouvons-nous donner plus de priorité à la raison ou à la spiritualité, quelle est l'équation entre eux. Et si nous sommes tous là, c'est parce que nous sommes convaincus que d'une manière ou d'une autre, selon moi, nous participons à une dynamique qui a été initiée par Sylvie Stalli il y a plus d'une décade maintenant, sur la possibilité d'avoir un discours, un dialogue, un échange, et où juristes, différents acteurs et différentes institutions sont représentés, différents discours aussi, le discours politique, le discours médiatique, le discours académique, voire de la société civile. Je pense que nous avons un exemple concret d'une institution qui est dans un processus d'expérimentation. Et je fais un appel de cette plateforme à ce que tout ce travail qui a été accompli jusqu'ici soit répertorié, codifié, et aussi parce qu'il y a eu des discussions et des débats pendant des années sur ces sujets. À mon sens, la première principale préoccupation était de revaloriser, revivifier le patrimoine spirituel universel, si je ne me trompe, et surtout le patrimoine soufi. Et je pense que nous sommes tous en train de participer à ce processus. Donc nous avons été témoins de comment l'art de vivre, initié par le festival, est un art de vivre ensemble ou une préoccupation majeure au-delà de l'institutionnel et du processus de ces différents droits, les policies, les lois au niveau de l'Organisation des Nations Unies, 2001, la déclaration de la diversité culturelle qui respecte et qui fait la promotion de cette diversité religieuse, évidemment. Je pense qu'il est grand temps que cet engagement prenne une autre forme et qu'il y ait que ce patrimoine jusqu'ici présent soit axé sur les jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Saïda. Maintenant, la parole va être à vous. Mais je remercie Saïda Dounani parce que c'est vrai qu'elle a posé un certain nombre de questions qui sont en résonance avec ce qui a été dit et qui posent des questions qui nous préoccupent, cette réflexion collective qui est la nôtre. Bon, moi je vais évoquer deux, trois petites choses comme ça pour alimenter le débat. Il y a une question qui est d'ailleurs intéressante, c'est que la figure de Mohamed Iqbal est extrêmement sollicitante, il y a on se réfère beaucoup à elle, et ainsi de suite. La question peut-être qui se pose, c'est pourquoi il n'a pas tellement eu de postérité. Pas tellement de postérité, comment ça se fait qu'il n'a pas pu. Si on a une pensée au niveau social, au niveau de la construction sociale, ou de quelque chose qui est l'incarnation sociale, c'est pas évident. Bon, peut-être que Madame Noun peut-être nous en dira peut-être quelque chose. Non, oui, je vais vous excuser. Oui. C'est quand même un penseur complexe. Un penseur qui est beaucoup divisé d'abord. Si sa pensée d'abord s'inscrit dans la ligne droite, ce qu'on appelle le mouvement des salafis, c'est-à-dire le mouvement Abdou, Jamaluddin Afrani, et il va donc le perpétuer autrement, car il est en contact direct avec le monde occidental, il reste quand même un penseur clivant et clivé. Et in fine, toute sa pensée a débouché sur quelque chose dont nous continuons à subir les conséquences, à savoir la sortie des musulmans de l'Empire indien
pour devenir une communauté isolée en tant que Pakistan. Or, le Pakistan, c'est une fabrication historique fondée sur le primat de l'identité, sur la citoyenneté, puisque le Pakistan est musulman, devrait se retirer de l'ensemble indien pour constituer cette entité musulmane dont nous continuons aujourd'hui à subir d'une certaine façon les conséquences. Et il me semble que sur ce point-là, ça n'enlève absolument pas l'intérêt de la pensée. Et très bien, et la thèse notamment de notre ami Abdelnour Bidal sur la question et d'autres montre effectivement l'immense fertilité, je dirais, de sa pensée. Mais quand on dit qu'il n'a pas eu de suite, évidemment, la suite, c'est qu'il a fondé quelque chose qui s'appelle, je dirais, le substrat musulman détaché de l'empire indien ou cohabitation entre toutes les religions, toutes les cultures. À mon avis, c'était, je dirais, un péché mignon dont nous continuons à subir les péchés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, d'accord. S'il vous plaît, on va régler tout le monde va pouvoir s'exprimer librement. Si vous voulez, moi je ne sais pas, je suggère très courtoisement, hein, qu'on ne rentre pas dans un domaine politique. Parce que c'est très compliqué. C'est simplement que si j'imagine qu'il y a été l'ambassadeur du Pakistan avec nous, je ne sais pas si vous serez très content d'apprendre que c'était une erreur, mais bon. Maintenant, ceci dit, c'est pour vous dire que, voilà, que c'est un domaine dans lequel il y a la liberté. J'en ai bien entendu ce que tu as dit, tu as tout le droit de penser, et c'est clair. Mais je ne voudrais pas qu'on ait un débat là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet. Néanmoins, quand je parlais de la postérité d'Irkbel, pas sur le plan simplement géopolitique, mais il avait une pensée tellement lumineuse, tellement universel, tellement poétique, tellement belle qu'on n'en voit pas forcément les effets. Comment tout ça s'est accompli après, mais peut-être qu'il a posé des graines dont on est en train de bénéficier aujourd'hui. N'est-ce pas, hein, toutes ces graines de pensée sont en train de renaître. Et tu as eu bien raison de citer Bidal, mais surtout notre ami commun, que tu aimes tant, que j'aime beaucoup aussi, Souleymane Rachel Bian, qui sont des dignes héritiers aujourd'hui de cette pensée-là et qui est en train de s'éclore. Hein. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Ceci dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est simplement pour vous dire, quand on dit humanisme spirituel pour notre temps, la question, il faut dire que nous sommes dans une autre époque que celle d'Irbel. Irbel, et à l'époque d'Irbel, on était tout le temps en train de penser qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Enfin, comment les musulmans vont faire ceci? J'imagine que dans les autres religions, la question devait se poser aussi de la même façon. Aujourd'hui, la question se pose différemment. C'est comment nous vivons ensemble et comment nous faisons des choses ensemble. Parce que, quoi que ce soit ou non, le monde a changé, nous habitons dans la même planète et nous sommes sur le même bateau. Et nous sommes interdépendants. Donc, nous ne sommes pas en train de simplement vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour moi? Les réformistes, tout ça. Ce n'est plus d'actualité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde interdépendant. Et si on parle de soufisme, il y a d'autres spiritualités dans notre Dieu et tout, c'est l'articulation contre tout ça. Et comment nous faisons humanité ensemble? Et c'est ça l'humanisme spirituel. C'est ça l'humanisme spirituel. C'est quelque chose qui est universel ou qui n'est pas. Mais universel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul point de vue. Ça veut dire qu'on articule, n'est-ce pas, un art d'être ensemble. Hein, on articule les différents points de vue. Et c'est ça qui est important. Mais aussi, donc c'est un logiciel du vivre ensemble, hein, qu'il s'agit de mettre en place, qui, dans le monde de l'islam, peut être porté pour l'islam, mais dans une articulation du monde par cette tradition de soufisme. Par cette tradition de soufisme. Maintenant, je vais vous laisser. Je pense qu'on a beaucoup parlé en ce qui nous concerne. Et on va vous laisser beaucoup parler à votre tour. Donc, c'est Aziz, Amel, je pense qu'il y aura pas mal de réactions. Merci.
Merci. Salam alaikum. Thank you very much, Fawzi. I think Muhammad Iqbal is very happy to see us having this discussion here. Being the visionary he is, he predicted that humanity will be coming to this crossroad and having this discussion when he composed his poetry, what Lenin, we all know who Lenin is, right? Joseph Lenin, right? Muhammad Iqbal has a poetry about the meeting of Lenin with God. And the question is not that Lenin is denying God still, but Lenin asked permission to address God. Okay? Lenin, the communist, you know the poet. So in this discussion, Lenin asked permission from God to speak. So he already learned at that. And the questions are about the East, the Muslims, and the West. And in Lenin's mind, both of them were deficient. And therefore, they need some kind of complementarity, you know, to complement themselves. I live in the United States. And it's always very nice to come here to this visit. I mean, I look forward to it, you know, once a year to come, to recharge with other guys. But I feel, you know, like sometimes in discussion, that not only, I mean, even though we have great, you know, means of transport, overnight I was here. So geographically, the ocean is not, you know, a barrier, but still, I think in terms of the discussion, the debates, I see that there is a lot to be done. There is a lot to be learned from both sides. And I think, and Sidi Fouzi is very good at this, a lot of times, a lot is lost in translations, but not all is lost in translation. The civil society and the religious community in the US is struggling with the same, you know, issues that we have here. And just for the purpose of defining terms, I mean, humanism, I mean, we have, I am part of an interfaith council, and that represents a lot of religions. And humanism in the United States is a very small religious minority. I mean, they call themselves a religious minority. They are humanism, meaning that they believe in the human entity as the promoter and guarantor of human rights. And I myself, you know, having lived in the US for like more than 40 years, and especially after like the event of 9/11, I have this question that I'm struggling with all the time. I mean, can we, I mean, especially if we look at the history of humanity, I mean, can we, as human, come up to the position and be true to what we claim? And my own conviction, and I'm asking this for all of us to discuss, to help me understand. I mean, I'm inclined to conclude that
Without that spiritual dimension, I don't think, as humans, we can give the law rights to the occasion and do that. For the simple reason that humans are conditioned by greed and fear. Fear of what? And because of that, I think the spiritual dimension, having God as the guarantor of human rights, that's what we can, you know, like that's what the East at least can provide. And I'm very quickly going to share with you a study that Harvard did. Harvard University did the study when they did, you know, like a poll of people, white people living in the suburb of Boston, and they asked them questions about all kinds of human rights issues, including immigration and everything. And everything checked good. You know, those are the white, upper middle class, liberal. And then after the poll, they hired a bunch of Mexican Spanish-speaking people to ride subway in the morning from the suburb to Boston, and then in the evening from Boston back to the suburb. And in the meantime, these Mexican Spanish-speaking people were talking Spanish and they're acting like Spanish people, you know, talking to things like that. 2 months later, they did the same polls, and everything, as we say, went south. You understand what I'm saying? I mean, now the result was the opposite. So what I'm trying to say here is, if we approach human rights from a humanity point of view, as long as I am safe and I am comfortable, I support you rights all of you. But the minute my well-being, my comfort, my security is threatened, predatory, you know, the reptilian brain kicks in, and everything goes south. That's true. Merci. Alors, juste deux mots pour vous traduire, je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, pas forcément. Bon, je ne vais pas traduire mot à mot, vous savez bien, mais simplement pour dire, c'est une vraie question qui se pose, et je pense qu'on va la poser probablement pendant tous ces jours passés ensemble, c'est-à-dire quelles sont les origines, les ressources des droits humains. Est-ce qu'ils doivent être basés justement sur la non-transcendance ou le fait d'être indépendant de toute forme de transcendance, ou au contraire, est-ce qu'ils doivent être en quelque sorte soutenus par une ressource spirituelle? Je retiendrai cette idée, mais tu as dit beaucoup de choses, très intéressant. Simplement, le problème, c'est que quand il n'y a pas cette ressource spirituelle, et les personnes acceptent les droits humains et le reconnaissent aussi bien. Tant que ça les sert eux-mêmes. Par exemple, on voit bien la question de l'immigration aujourd'hui dans le monde et tout ça, ainsi de suite, tout disparaît. Il n'y a plus de droit, plus rien, etc. On commence à penser les choses complètement différemment et le cerveau reptilien prend le dessus, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait autre chose. Donc, ce sont des droits qui peuvent parfois être sujets à caution s'ils ne sont pas soutenus d'un point de vue spirituel. Ceci dit, il faut bien être conscient d'une chose, peut-être, et c'est un peu le sujet aussi qui nous occupe, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est pour ça, Carmen me disait que ce passage que j'ai cité de Rumi, il y a une controverse sur le fait de savoir si c'est de lui et que c'est probablement pas de lui, mais qu'importe, il y a la spiritualité aujourd'hui doit intégrer et accepter l'ensemble des points de vue. Il n'est plus question de dire qu'on ne peut vivre que dans un monde spirituel, on ne peut vivre que dans un monde entre sages, n'est-ce pas? Il faut aussi, c'est un fait, la diversité dont on a parlé. Vous allez avoir aussi des gens qui sont des athées, des gens qui ne croient en rien, qui sont dans un autre monde. Ce n'est pas à nous, aujourd'hui, de nous porter juge de qui que ce soit. On apporte notre contribution,
mais sans pour autant se porter juge en quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'aime bien cette parole. Cette parole. Non, non, mais je veux vraiment te Amen. Je la. Non, ça ne fait rien. C'est un débat ouvert. Chacun participe. Amen. Merci beaucoup, Sidi Fouzi. Je sais que tu es habitué à Sia. Moi, c'est Esma. Alors, tu as parlé de quelque chose. On ne touche pas à l'islam politique. On a beau ne pas vouloir y toucher, nous rattraper. Je rejoins ce qu'il vient de dire. Nous sommes au sein d'une institution qui est l'Institut culturel français. Nous avons certains, beaucoup d'enfants qui vivent en France. On vient de me dire, on m'encourage à dénoncer le voisin. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On m'encourage à dénoncer mon voisin s'il se laisse pousser une barbe. Et je ne veux pas rentrer là-dedans. Malheureusement, il nous rattrape. Ceci juste pour dire que cette voix que toi, tu encourages, et franchement, je te félicite, elle est tellement difficile à se faire entendre. Je ne parle que de ce que je connais un petit peu dans le monde islamique d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette voix-là n'est pas suffisamment entendue? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a un autre islam? Peut-être c'est là où je rejoins Abdou quand il parle de Mohamed Abdou, du mal que peut faire un Tariq Ramadan, du mal. Pourquoi notre voix n'est pas suffisamment entendue? Est-ce qu'on ne l'a pas suffisamment crié? Est-ce qu'on ne l'a pas dit assez fort? Nous sommes combien? Plus d'un milliard, presque deux. Comment pouvons-nous continuer à accepter qu'on nous enlève cet humanisme et qu'on nous enferme dans une identité quasi-terroriste? Ça devient insoutenable. Comment sortir et comment faire que le vivre ensemble, redéfinir un homo sapiens, faisant de la génétique des populations? Au Maroc, il y a les Amazirs. Les Amazirs, nous sommes tous une multitude de gènes, arabes, wisigoths, vikings, etc. Aujourd'hui, il y a l'homme. L'homme est la planète qu'il est en train de détruire. Il l'a détruite. En Maroc, nous avons ce qu'on appelle des arbres fossiles. La subérée, le magnifique Quercus suber de la Mamora. La cédrée est déjà une forêt fossile. Ça, c'est un cri d'alarme. Je me joins à la dame qui a pris la parole avant moi. Pour que l'homme transcende son être et qu'il va vers le partage, il faut qu'il se sente en sécurité. Voilà, alors en France, on va traquer le musulman comme on a traqué le juif dans les années 40. C'est insoutenable. Et je m'arrête là. Il y a beaucoup de vagues qui se lèvent. De toute façon, à la fin, j'ai deux minutes. La parole est en deux minutes. Non, c'est pas une question, j'ai pas répondu à ta question. Mais non, c'est pas grave. Allez. Bon, les femmes. Toi, tu es là pendant deux semaines, tu vas partir. Ouais, voilà, alors, Khadija, derrière. Khadija Rimoun, je suis très très touchée par la qualité des débats, du thème, etc. Je me sens trop m'étaler dans les loges, etc. Je voudrais tout simplement vous poser la question suivante. Dans un monde de plus en plus désaxé et dénaturé, comment chacun de nous puisse évoluer vers l'humain sans jugement aucun? Je sais que c'est une tâche très difficile, mais une petite fatwa pourrait nous rendre un grand service. Merci. On va voir si tout à l'heure on va faire une fatwa sur ce sujet.
trouver, qui fera beaucoup de bien. Est-ce qu'il n'y a pas un autre quelqu'un pour... Non. Ça marche. Bonjour, Salam Kerem. Je voulais juste. Moi, je suis une fervente fidèle à ce festival, je pense, depuis le début. Je n'en rate aucun. Et je voulais juste faire trois petites réflexions. Premièrement, il n'y a pas un autre islam, il y a l'islam. Et c'est tout. Et ceux qui interprètent l'islam d'une manière ou d'une autre, c'est leur problème. Mais effectivement, l'Amérique aussi n'est pas. Elle a son point de vue sur l'humanisme, et c'est un point de vue certain, et un certain point de vue. Il faut y avoir plusieurs points de vue sur l'humanisme. J'ai beaucoup aimé qu'on est interdépendant avec le cosmos, et surtout qu'on n'a pas que le droit est très important dans l'humanisme spirituel, mais ce n'est pas que le droit dans l'humanisme. D'abord, il y a la foi, il y a cette élévation du cœur et de l'âme. Que faut absolument chacun faire ça. Le problématique aujourd'hui, et je rejoins le professeur Dilani, il faut absolument codifier. La richesse de toutes les conférences, rien que dans ce petit minuscule festival, dans un petit pays comme le Maroc, que Sidi Fouzi a initié, est déjà un patrimoine extraordinaire. Il faut absolument qu'on se lève tous, qu'on se batte, qu'on crie très fort, qu'on essaye de s'immiscer dans toutes les émissions, dans le monde entier, pour dire que l'islam est un seul islam, et il est bon, et il est généreux, et il est surtout célèbre. Et il ne faut pas qu'on laisse la parole aux autres. C'est très important qu'on puisse codifier, structurer et organiser, et qu'on se lève. Ce n'est pas une guerre qu'on doit mener, mais c'est juste ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il faut qu'on aille vers ce qui est absolument à faire. Il faut qu'on sauve notre âme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a encore une parole de Latifa, je pense. Et il y a là, Latifa, puisque là, Latifa est fermée, il y a là où elle est. Simplement, je vais vous demander, si vous voulez bien, d'être un peu précis et court pour qu'on puisse avoir les réponses également de nos internautes. Oui, Khadija. Alors, ça, je voudrais vous dire merci. Et vous dire tout simplement, je voudrais juste peut-être poser une question entre, peut-être, je me la pose tout le temps, il faudra peut-être plus de clarté, s'il vous plaît, entre spiritualité et religion. Merci. Merci, Tsa. Pour terminer, peut-être. Latifa qui est là. Excusez-moi, monsieur. Avec le joli chapeau. Juste une réponse Vous avez le. Non, juste une. Quelqu'un a un micro ? Je ne le vois pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est. Selma. C'est juste. La grande dame de Bordeaux. Non, mais c'est pas une fatwa avec le sœur qui vient de parler tout à l'heure, mais c'est dans le Coran qui est très clairement dit. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc, c'est pas ça. C'est on a pas besoin de faute. Alors la peur de soi, c'est une première réponse. Vous allez voir si cette recette, c'est en tout cas cette proposition répond à l'ensemble de la préoccupation. Dieu ne change pas des gens. C'est jusqu'à ce qu'ils se changent eux-mêmes. N'est-ce pas? Et donc, c'est toujours l'idée, un peu de. Au lieu d'attendre que les choses se passent, de commencer à trouver des solutions pour se changer soi-même. Et mettre ça en pratique tous les jours, eh bien, c'est une très bonne proposition. Voilà, mettre cette posologie plusieurs fois par jour, je crois que ça ira très bien après. N'est-ce pas? Très bien. Alors, la différence. Je suis là, 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 je suis là
Bah, tu vois, on est aveuglé par la lumière. Et merci pour moi d'être là. C'est moi qui te remercie. Merci vraiment. Parce que je trouve formidable cette relation entre l'universel et le vivre ensemble. Et cette rencontre de la culture soufie n'est autre chose qu'une rencontre de l'éveil des consciences, de la mobilisation. Et je te remercie beaucoup parce que tu as fait ce travail pendant plusieurs décennies. L'éveil des consciences, la mobilisation des consciences, mais aussi la fédération des consciences, qui je dirais aujourd'hui peut-être, pourquoi pas, l'insurrection des consciences. Tu as parlé de conscience ici, je crois que nous sommes ici présents en tant que conscience, non en tant que musulmans, que chrétiens, ou blancs, noirs, ou je pense que nous sommes d'abord des consciences. Et vous avez parlé également dans ce panel de signes. Et peut-être que le changement climatique, c'est le signe du siècle pour nous. Et pour ses consciences, et nous fédérer autour de cet appel, parce que c'est un appel auquel personne n'échappe en tant qu'humain, qu'on soit humain américain, français ou autre, musulman ou ce que vous voulez, l'appel du changement climatique. Et peut-être là, que nous sommes des humains, des terriens, et qui devraient peut-être faire quelque chose. Si on sort avec cette recommandation, on a peut-être réussi un challenge. Merci beaucoup. Eh bien, merci vraiment, c'est la richesse de ces interventions qui enrichissent vraiment le débat. Et je vais donc donner à mes intervenants, à Caroline, la parole avec le... À Caroline, car j'appelle toujours Caroline. Mais c'est un nom affectueux. À Caroline. Bon, on va répondre aux questions tout de même. Il faut maintenant essayer de faire une petite synthèse. D'accord, je vais aller rapidement parce que la thématique m'avait particulièrement intéressée d'associer humanisme et spirituel. Parce que quand je me suis un petit peu indignée par la pensée d'Iqbal, je vous invite à aller un petit peu plus loin et à voir que c'est vraiment une vision très politique de la pensée d'Iqbal et que c'est une vision qui n'est pas juste à mon sens. Et remettre cette notion d'humanisme et de spiritualité, c'est là aussi par rapport à la Turquie. Alors, je salue les personnes qui m'accompagnent deux fois par an en Turquie sur les pas de Rumi, parce que nous avons vu en fait les dangers de tout détacher en fait. Et moi, je parle en tant que conservateur, conservatrice d'un patrimoine qui est le patrimoine immatériel, qui est cette culture soufie. Et qu'en fait, avec des lectures, que ce soit politiques ou autres, on arrive à dénaturer ce patrimoine. Et là, je trouve que c'est dangereux, comme on arrive à dénaturer aussi la pensée d'Iqbal. Donc, j'appelle juste votre attention par rapport à cela. Fawzi a parlé, a cité ce poème qu'on avait attribué à Rumi par erreur, et c'est pas que par erreur. Parce qu'il a été inscrit jusque sur son tombeau, et les chercheurs du monde entier, finalement, se sont révoltés parce que ce n'était pas un poème de Rumi, mais d'un poète du XVe siècle, persan. Donc en fait, il faut aussi finalement conserver ce patrimoine et ne pas vouloir enlever la spiritualité. Le problème, c'est que maintenant aussi, on est c'est l'héritage aussi humaniste européen, comme vous l'avez souligné, de ne pas tout mettre en interdépendance et à vouloir détacher, ça rejoint aussi votre question, on arrive à ne plus trouver l'équilibre, comme a souligné Madame Saïda Bedani, et qui est finalement cause de beaucoup de soucis, le fait de ne plus être dans l'équilibre. Alors, on a un exemple en Turquie que l'on voit nous pendant notre voyage sur les pas de Rumi, c'est Yunus Emre. Yunus Emre, qui est un poète aussi du XIIIe siècle, un poète guide spirituel. La Turquie, en 1925, a interdit le soufisme complètement. Pour rayer la culture passée, rayer aussi l'alphabet passé des lettres persanes aux lettres latines, vraiment s'orienter sur l'Europe, c'était un choix politique de Mustafa Kemal, d'Atatürk,
Et on a par exemple sur Rumi ou Ibn Sebré, on leur a enlevé quelque part leur côté spirituel. Donc Younous Emre a été diffusé comme le poète de l'humanisme universel. Et on a complètement détaché en lui la spiritualité. Rumi aussi. Pourquoi En 1925, les confréries ont été nationalisées et sont devenues des musées. Le tombeau de Rumi, aujourd'hui, est un musée comme tous les autres tombeaux également. Donc, juste très rapidement, pour faire attention justement aux dérives quelquefois de l'humanisme, de l'universalisme. Méfions-nous aussi de notre façon de penser, de notre éducation qui quelquefois nous enferme. On a parlé des maîtres. Le maître, qu'il soit de musique ou spirituel, nous apprend une chose, à trouver le maître qui est en nous-mêmes. Hein, de toute façon, ça reprend tout ce que nous avons dit. Donc voilà, c'était juste une petite attention sur les dérives et sur, vraiment, j'ai apprécié le fait de réinscrire maintenant cette dimension de spiritualité attachée à l'humanisme. Ça nous permet de penser à tous les acquis qu'on a et qui, quelque part, nous enferment et nous empêchent de trouver notre liberté. Donc merci à vos escaliers. J'allais dans la réaction. Il faut la réaction juste avant d'ailleurs. Quel est le sens du bon sens dans le sens dont nous en parlons aujourd'hui? Nous avons les cinq sens et le sixième. Il y a le sens giratoire, le sens interdit, le sens dilatoire, le sens commun, le bon sens. Mais dans notre acception, à quoi nous renvoie le mot sens lié à la spiritualité? Au moins trois déclinaisons. La première, c'est la signification, le mana. La deuxième, c'est la direction. Une signification qui me donne une direction. Mais comme cela, c'est encore incomplet. Il va me rester une troisième déclinaison, un troisième fine-tuning. Et celle-là, c'est l'interprétation personnelle et subjective que je donne à Dieu. Subhana man sha'ala kulla qalbin bima yuhib. Chacun va avoir dans cette troisième déclinaison sa propre contribution à la construction de sens. C'est la réponse aux questions essentielles. Qu'est-ce que je sers? Par quoi je sers? Qu'est-ce que je sers dans ma famille, dans mon travail, dans la cité, dans mon voisinage? Qu'est-ce que je sers? Quelle est la finalité? À quoi je contribue? Et une fois qu'on a saisi le mot sens dans ces trois déclinaisons, là on va pouvoir construire le sens. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question extrêmement concrète de travail. Comme l'histoire de la sagesse, j'ai oublié là-dessus, quand nous évoquons le mot sage, la première image qui nous vient, quelqu'un d'âgé, un homme, avec une femme très grande, barbu, belle barbe blanche, chauve de préférence, et qui profère un ou deux mots toutes les 24 heures. Voilà l'image
stéréotypé que nous avons du sable. Or, c'est beaucoup plus simple, plus basique, plus élémentaire que cela. Et je prends l'interprétation d'une histoire pour rapprocher cette idée-là. C'est l'histoire du lion, du loup et du renard qui vont à la chasse. Bien, ils font équipe, ils vont à la chasse, et ils s'attrapent une belle gazelle. Et ils s'installent pour le festin. Bien entendu, ils s'installent dans les règles de l'art et les préférences et la hiérarchie. Le seigneur est le centre, le loup à sa droite, le renard à sa gauche. Et le seigneur va demander au loup, partage-nous ce renard. Le loup qui connaît le rapport des forces, la hiérarchie, va dire, seigneur, vous êtes votre roi, de ceci, de cela. Et donc, moi, je propose que vous preniez la totalité de votre corps, que je, moi, le loup, prenne la tête et que le renard prenne les pattes. Ce partage n'est pas beaucoup plus. Il n'y a plus de pattes, il n'y a plus de loup. Fini. Et surtout que le renard, vas-y, partage. Et le renard veut dire, et majesté, vous êtes le partage est tout fait. La tête, c'est pour votre petit déjeuner. La carcasse, c'est pour votre déjeuner. Et les pattes, c'est pour votre dîner. Et là, le loup. Waouh, te voilà sage. D'où te vient toute cette sagesse? Et le renard répond, lion, majesté, toute cette sagesse ne vient du loup. La sagesse, c'est tout simplement ce que la vie nous apprend et surtout ce que nous en faisons. Il n'y a pas à aller dire Socrate ou Pidot pour être sage. Juste mon expérience de tous les jours, disait Montaigne, j'ai suffisamment de mon expérience de tous les jours pour me construire ma propre sagesse. Je vous dis là-dessus, cette histoire-là, quand elle est reprise par la vie. Donc on va aller au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il y a? Quand le renard fait ses préparations, le lion lui donne la totalité de la place. De la base. Merci. Merci beaucoup. Donc on va continuer. Can you hear me, you can't? Madame Salama Tussaud, notre sœur, a été, je pense, un membre fidèle. Oui, exactement. Donc, elle m'a demandé de vous transmettre à tous ses salutations. Et elle a été empêchée pour des raisons professionnelles d'être avec nous, mais elle est là de tout corps avec nous et elle voulait absolument saluer l'effort continu du festival. Et selon elle, c'est une dynamique qui produit du sens et qui est une dynamique productive à plus d'un titre. À nous de méditer ce message. Je fais un doctorat sur le verbe. Ce n'est pas du tout mon intention de vous montrer à quel point je suis une savante dans le domaine, loin sans faux. Sauf qu'il a fallu 20 ans au moins pour se familiariser avec un patrimoine ourdou, persan, le sous-continent indien, la philosophie orientale et occidentale. Donc évidemment, c'est un sujet interprétation, parfois conflictuelle, contradictoire, mais quand même, que vient faire Lénine dans un livre qu'il a publié, c'est le dernier livre que Mohamed Akbar a publié, J'ai Vidnama, c'est son dernier recueil en persan, où il évoque, exprime, témoigne de sa propre ascension spirituelle. Lors de cette ascension spirituelle, il dialogue avec des musulmans, des non-musulmans, des athées, des philosophes, des politiciens, des différents, des femmes, des hommes. Ben, je ne vais pas vous faire le résumé, allez lire le jet. Il a été traduit par Eva Domerovitch de toute façon. Elle a intitulé Le livre de l'éternité. C'est juste pour dire que l'humanisme de Mohamed Akbar est fondé sur l'ouverture sur l'autre, sur l'effort nécessaire aujourd'hui,
de trouver le langage de communiquer avec l'autre. Habermas se fait un nom sur cette théorie de retravailler sur le langage pour de connaître l'autre et tout ça. Donc je pense que l'humanisme de Mohamed Iqbal, pour le dire en très peu de mots, est un humanisme d'ouverture, un humanisme de dialogue, un humanisme de réflexion qui incombe à l'individu et à la société, à la communauté. Le défi majeur que Mohamed Iqbal a rencontré, selon la, parce qu'il est passé du nationalisme indien, il faut que les Indiens se libèrent et leur indépendance des Anglais. C'est clair, c'est facile à expliquer. Il est passé au pan-islamisme, toute la Oumma qui est colonisée à l'époque, comment peut-on voir dans quelle mesure tous ces pays musulmans soient unis, travaillent ensemble, soient solidaires, et reconstituer la personnalité et la Oumma musulmane. Ça n'a pas marché selon lui dans sa propre réflexion. Et il est passé d'évolution en évolution sur plusieurs étapes. C'est pour ne pas limiter un penseur à une étape de sa vie où, pour comprendre la complexité et l'apport dense et riche d'un penseur qui a vécu, selon moi, je pense, les problématiques que nous vivons aujourd'hui. Les problématiques de qui sommes-nous, comment donner du sens et comment faire en sorte que le progrès scientifique ne détruise pas l'humain en nous, entre autres défis. Le dernier mot-clé que je voudrais redire, c'est le mot « foi ». Pour Mohamed Iqbal, dans la reconstruction de la pensée religieuse en islam, qui est son œuvre majeure, en fait, ils ont rassemblé différentes conférences qu'il a données dans le sous-continent indien, et c'est son œuvre majeure en prose, parce que son œuvre a été exprimée en poésie en urdu à une personne. Il a évidemment beaucoup correspondu en anglais, peu importe, mais ce qui est très important à savoir, c'est que la reconstruction de la pensée religieuse en islam, les différents chapitres ne sont pas limités à l'islam. L'un des chapitres majeurs, c'est « Est-ce que la religion est possible ?» Donc c'est la thématique de la spiritualité au XXe siècle. Donc je vous convie tous à vous pencher sur ce patrimoine universel et peut-être lire un peu Mohamed Iqbal, parce que je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Merci. Shukran, Jessica. نجتمع اليوم من أجل السؤال الكبير هو البحث عن المعنى في علاقته بالأنسنة أو الهيومانيزم، والبحث عن المعنى يشير له القرآن الكريم وتشير له سائر الديانات. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، بمعنى أن الإنسان هو زرع ونبات كسائر النباتات باختلاف ما عهدنا على معرفته بأن الكائنات هي إنسان وحيوان ونبات، بمعنى أن النبات هو مكون يشمل سائر المكونات الأخرى. وأعجبتني مرة قول الباحث الأمريكية إيرفين كورني بأحد المحاضرات بهذه الصالونات الفكرية، قالت تعبير جميل: to breathe the supreme، أو استنشاق أنفاس المقدس، وهو ما نحن عليه اليوم. فنحن في مثل هذه الصالونات نتنفس أنفاس المقدس الفكرية والروحية، وهو ما هو جميل جدا، ونتعطر له ونأتي ونهفو إليه من أجل شرب الماء الروحي بهذه الواحات الفكرية. وأرجو استفزازا من الترجمة. Alors, évidemment, brièvement, là aussi, c'est pas du tout du mot à mot.
simplement pour prendre la diversité des signes, comme on dit, du Coran, qui parle de l'humanité comme, comme une forme de croissance à partir de graines, en cellule de la terre, qui grandit, qui à nouveau revient à la terre, et qui à nouveau ressurgit de la terre, n'est-ce pas? Comme ce processus de l'humanité et de la vie, et qui est ce processus qui englobe toutes les formes de vie en réalité, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose qui soit une semence, une graine, qui finit par clore, et qui finit par s'accomplir, et qui finit par remourir et renaître à nouveau. Pas forcément, bien sûr, dans la conception monothéiste de l'incarnation, mais on renaît à des plans, sur des plans différents. Et que, donc, nous sommes ici un petit peu dans une situation où nous exposons à ce que, parfois on dit nafahat, les exhalations, les inspirations qui viennent un peu de tous ces échanges et que nous recevons et qui nous nourrissent et qui nous illuminent. Si vous voulez faire référence à une amie qui va venir nous rejoindre, qui est une américaine et qui contribue très régulièrement à nos conversations et qui disait les souffles, recevoir les souffles et les effluves du sacré, de cette présence du sacré, et que c'est un peu ce qui se passe dans dans un lieu, dans un aéropage comme celui-ci. Alors, maintenant on va passer à, je crois que ça a largement décompté, Après l'a aussi publié, il ne s'est pas adressé à Dieu, a fait une plainte et il a eu la réponse. Il a publié Chakwa, Wajawab Chakwa. Donc si nous avons des plaintes, adressons-nous à nous-mêmes, parlons, soyons présents à nous-mêmes, soyons présents à autrui et soyons présents à Dieu. Adressons-nous Chakwa, nous aurons des réponses. Chakwa et Jawab Chakwa. Moi, tout à l'heure, je sais pas. Donc, je laisse la parole, et puis tout à l'heure, je dirai une minute simplement pour dire, à mon avis, là aussi, un aphorisme qui peut être fait inspirer un certain nombre de questions qui ont été posées. Merci, une phrase qui m'a toujours guidé, c'est cette phrase d'un immense philosophe qui s'appelle Nietzsche, dans un de ses livres les plus intéressants qui s'appelle La chute des idoles. Il disait: ma pensée vise à nuire à la bêtise. Toute pensée doit nuire à la bêtise. La bêtise, elle est partout. La pensée a toujours une arrière-pensée. Et il n'existe pas de penseur panthéonisé. Il n'existe pas une pensée unique, indiscutable et indiscutée. Tout penseur, sa liberté, c'est que sa pensée ne lui appartient plus. Elle est soumise à l'examen, à la critique. La critique, ce n'est pas critiquer. C'est de lire lucidement ce que le penseur lui-même peut-être n'a pas pensé. Et c'est cela, le rôle d'un intellectuel et le rôle de la pensée. Ce n'est pas d'enfermer dans ce que notre ami, le regretté Mohamed Bakoun, appelait les clôtures dogmatiques. Il faut sortir des clôtures dogmatiques qui ont été notre alpha et notre oméga depuis des siècles. Je ne dis pas cela, évidemment, à un penseur précis, je dis cela à tous les penseurs. Aucun penseur n'échappe à son destin, c'est-à-dire, il nous livre sa pensée, c'est à nous de nous l'approprier contradictoirement et non pas de manière consensuelle. Le consensus nous a tués, il a tué la pensée, il a complètement congelé toute capacité de réfléchir, de remettre en évidence ce qui nous semble être évident. Et je crois que ce conseil de notre ami Mohamed Akoun a été véritablement pour nous un de ces testaments. J'ai passé des heures et des heures avec cet immense monsieur. Ce qui m'a appris, c'est de ne jamais abdiquer devant l'évidence. Et donc, aucune pensée n'est évidente. Ni celle de Mohamed Iqbal, j'ai bien dit au début, j'ai pris ce qu'on peut appeler toutes les précautions d'usage,
Je n'ai pas discuté de sa pensée. Fauzi a parlé des conséquences. J'ai dit une des conséquences, quand même, de sa pensée. Un homme ne doit jamais être séparé, on ne doit jamais séparer un homme de la pensée de, ce, de son arrière-pensée. C'est cela le destin d'un intellectuel. Je n'ai pas quelqu'un qui doit être enfermé dans un panthéon et qu'on puisse l'imaginer, l'adorer, le regarder, l'idolâtrer. Cela doit absolument être la règle dans ce que les latins appelaient la disputation. Et cette disputation, le monde musulman l'a connue avant. Alors restons fidèles à cette disputation musulmane, c'est-à-dire celle de nos ancêtres, celle d'Avicenne, celle de Khaldoun, celle de Maïmonide, celle d'Averroès, qui sont d'une certaine façon nos références. Il n'y a pas que Nietzsche, il n'y a pas que Marx. Eh bien, soyons à la hauteur de, cette, de ce testament de ces grands intellectuels. Sur la question de comment aujourd'hui notre humanisme doit être construit. Bertrand Badie, un grand politologue français, qui est d'origine iranienne, que beaucoup de gens ne savent pas, a écrit un livre récemment aux éditions La Découverte qui s'appelle « Le titre est parfaitement, je dirais, parlant. Nous ne sommes plus désormais seuls au monde. Il faut quand même qu'on comprenne que nous ne sommes plus seuls, qu'on nous regarde, qu'on nous juge, qu'on apprécie, qu'on nous déteste. Et bien nous aussi, nous avons aussi un regard sur ce monde. Il faut absolument que cette interaction entre nous et le monde soit la plus vraie possible. Sortir des faux semblants, attaquer tout ce que peut nuire, comme disait Nietzsche, à la pensée, c'est-à-dire à quelque chose qui, comme disait toujours Nietzsche, toute pensée, elle s'accouche dans la douleur. Il n'y a pas de pensée gratuite. Tous les concepts, toutes les pensées s'accouchent dans la douleur, c'est-à-dire dans la confrontation entre le réel, l'imaginaire, les convictions, le vécu, le monde, etc. Donc, si on veut penser à un humanisme, pardon, il faut d'abord partir d'une idée simple. Quel est notre dénominateur commun? Or, aujourd'hui, nous constatons avec regret qu'est-ce qui nuit à l'humain? Qu'est-ce qui nous nuit à nous? Ce n'est pas l'universel, c'est le particulier. Ce n'est pas le monde, c'est le local. C'est ça qui nuit aujourd'hui à notre capacité de déborder ce qu'on appelle la culture dogmatique. Où est l'universel? Qu'est-ce que l'universel? Cela veut dire quoi quand on parle d'universel? Ce n'est pas une abstraction. L'universel, c'est la disputation entre toutes les communautés humaines à condition tout simplement qu'on respecte sa diversité et qu'on respecte ce qu'elle peut apporter à l'humain. Parce que tout ce que l'humain apporte n'est pas forcément bon. Et nous n'avons pas seulement apporté du bon dans cette humanité. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre en France, à l'instant, en ce moment, est un élément absolument incroyablement compliqué. Nous sommes soumis, absolument soumis, à une, je dirais, une mutation qui nous interroge sur qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman en Europe? Il faut se poser cette question. Est-ce que nous allons continuer à dire musulman, 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 et l'islam n'est pour rien, et nous sommes des gens innocents? Ce discours n'est plus suffisant. C'est terminé. Il faut que nous soyons dans le regard de notre miroir. Et quand bien même le miroir ne renvoie pas une image positive de nous, il faut le reconnaître. Et nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Il faut fixer ses responsabilités, y compris quand cette responsabilité n'est que de 5%. Il faut la regarder. Et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que nous continuons à dire que nous avons la vérité absolue, nous sommes les meilleurs, notre religion est la seule capable de gouverner le monde, et que tout le reste n'a aucun sens. Et non, il faut sortir des clôtures dogmatiques. Alors pour terminer, j'ai entendu tout à l'heure une question à laquelle on n'a pas répondu. C'est celle de quelle est la différence, en tout cas quel est le lien entre le spirituel et l'humain, c'est ça? Entre le religieux et le religion spirituel. Écoutez, moi j'ai une réponse, pas la mienne, pardon, c'est un grand penseur français, Henri Corbin, qui a été cité tout à l'heure par Carole, qui disait cette parabole, qui est extrêmement sympathique, très ramassée, mais peut-être qui nous parle. C'est une belle parabole, il disait l'homme spirituel, c'est celui qui se prépare à l'idée de la mort, alors que l'homme religieux, c'est celui qui prépare les obsèques. On disait tout à l'heure, je pense qu'il faut laisser tout ouvert, il n'y a pas comme ça fait, il n'y a pas à tirer de conclusion, il y a se nourrir un peu de tout ce que nous avons pu échanger. Il y a quelque chose, rapidement, simplement la spiritualité et la religion.
En fait, il y a une erreur, mais je pense qu'il y a une espèce de confusion entre ces deux plans, parce que la religion, c'est ce qui relie, c'est le chemin. Et très souvent, on prend le chemin pour le but. Et on prend une religion comme une identité et une appartenance. Et à partir de ce moment-là, tous les problèmes peuvent naître, parce que la religion devient la façon dont on a mis notre ego et notre égocentrisme, qu'ils soient personnels ou collectifs. Enfin, c'est un peu une conception tribale. Alors si on relie la religion à son but, qui est la spiritualité, et qu'on sait que ce n'est que un dîme, le dîme c'est le chemin, c'est le chemin, c'est la façon de marcher, de cheminer, et que la spiritualité devient le but, c'est-à-dire, quel est le but? Ce n'est qu'un moyen de parvenir à un but, et que ce but c'est la transformation de soi, et l'amélioration de soi, et l'accomplissement de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, parce qu'on parlait d'accomplissement. Et puis il y a, pour revenir à la petite fatwa qu'on avait promis de donner, n'est-ce pas, pour la ruminer hein, pendant toute la journée. On est... Voilà, et d'ailleurs, elle va reprendre ce qui a été dit tout à l'heure à propos de l'aéro, la communauté, cette fatwa, c'est quelqu'un qui est venu voir la journée. Est venu voir quelqu'un qui est à votre société, qui était connu pour l'accueil et l'akhlaq. Ce qu'on appelle le foutouwa. Il y a le fatwa, le foutouwa, il y a une racine commune. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est ce qu'on appelle dans ce film le foutouwa, c'est le comportement chevaleresque. La noblesse du comportement. Et quelqu'un, et donc un soufi, il m'a demandé à cette personne, qui ne parlait même pas là-bas, Il était perse, il lui a dit quel est d'après toi l'accomplissement des valeurs? Et il a répondu la chose suivante, et ça, c'est des petites choses qui sont simples, mais qui sont aussi universelles. Il a dit c'est être droit, en tout cas essayer d'être droit, sans exiger des autres d'en faire autant. Waouh! On vous dit que eh bien, cet après-midi, et merci vraiment d'avoir été là. C'est ici, hein, aujourd'hui, parce qu'on trouve cet après-midi. Hein. À quelle heure? S'il vous plaît, sachez qu'il va y avoir un vernissage au Cheikh Razab. C'est à quelle heure? 15h? 16h? C'est à 16h avec l'excellent, le superbe Samia Ali, que vous connaissez peut-être, un très grand psychologue mondialement connu, qui a plus de 90 ans et qui fait une œuvre calligraphique absolument superbe. Donc à 16h au Sherazade, et puis ensuite à nouveau ici pour la table ronde, à 17h30. Ce soir, on va voir un récital. Avec Ahmed Ayouch pendant le vernissage. Donc vous êtes tous invités au Sherazade pour cela. Ensuite, la table ronde ici. Et la soirée dans la salle de la mairie, en ville nouvelle, parce qu'on attend la pluie. Je crois que ça a déjà commencé. Hein, on va peut-être pas prendre le risque. Et donc, on va se retrouver dans la salle de la mairie. C'est pas la beauté de Genève-Ville. Mais il faut bien s'abriter. Donc à tout à l'heure.